Alors, pour cet après-midi, donc comme je vous le disais, on a une première session. Alors, on part avec 54 minutes de retard. Sur les points forts, les points faibles de Gerpestra. Et puis, après, il y avait la synthèse qui était vers 16h30. Alors, comment on peut goupiller là, ça? Je pense qu'on peut le faire en 1h30, cette session-là, pour rattraper. Si vous êtes efficace en une demi-heure. Si vous êtes efficace en une demi-heure, puis après on va faire une rando à la maison des Charmettes, à la maison de Jean-Jacques Rousseau. Oui. Donc voilà, l'enjeu, si on est efficace, c'est la balade après. donc, avec Benjamin, en fait c'est Benjamin qui avait proposé de faire cette présentation-là, point fort, point faible de Gerpestra, puis je me suis greffé dessus parce que je trouvais ça intéressant et j'avais le même genre de questionnement. Donc, voilà, on vous a préparé quelques petits, des points d'entrée, des guidelines, et puis on va travailler avec vous au cours de cette présentation-là. Ce ne sera pas nous qui présenterons les points faibles et les points forts de Gerpestra, c'est la salle qui va collectivement travailler sur ce truc-là. Puis donc, si on peut avoir une prise de notes, ben Zoé va assurer brillamment la prise de notes. Brillamment. Et ça participera au compte-rendu qui sera envoyé a posteriori à tous les participants et à ceux qui en feront la demande. L'objectif, c'est pas de dire « ça marche pas, c'est nul, etc. » L'objectif, c'est d'être conscient des points forts et des points faibles de Gerpestra pour pouvoir ensuite collectivement élaborer la feuille de route. C'est un tremplin vers la feuille de route. Parce que voilà, il faut être conscient de ses faiblesses et de ses forces. Et puis, c'est un. On parle de tout. Ça peut servir à alimenter un cahier des charges, je peux dire, ou des choses comme ça. On peut parler du front office, hein, du back office. Dans le front office, il y a ma petite chatte, un point fort, ça peut être la richesse des visualiseurs ou au contraire, ça peut être un point faible, ça dépend du point de vue aussi. Donc, ça ne va pas s'assumer à dire quels sont les points forts, quels sont les points faibles, mais éventuellement, comment on peut améliorer ça. Il y a aussi un aspect, on verra tout à l'heure, mais c'est comment. Parce que, Gerpestra, on le trouve quand même pas mal au niveau de. Ça peut être une solution adaptée pour pas mal de consultations publiques. Pour des plateformes régionales, pour des collectivités, ce genre de choses, pas uniquement. Mais ça peut être aussi intéressant de faire un point sur comment, justement, une administration publique fait ses choix quand elle doit mettre en place une infrastructure de données spatiales. Donc, quels sont les critères qui sont importants et sur lesquels il faudrait, améliorer la solution. Parce que, en fonction des usages, on n'a pas forcément le même regard. Donc, que ce soit pour une utilisation, on va dire, par un organisme de recherche, une utilisation par, on va dire, une région ou une aglo, par exemple. Voilà. C'est pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Après, Maël... Alors, je peux parler de ma mission, effectivement. On peut se demander. Ouais. Pour être franc, hein, j'avais proposé un sujet qui était moins soft. Le LibD, c'est pourquoi nous n'avons pas proposé Gerpestra pour l'infrastructure du Krish Packer. Bon, ça pour vous dire que NeoGeo intervient comme conseil, assistance auprès d'un certain nombre d'acteurs. Il nous arrive de faire des études comparatives sur différentes IDS. Il nous arrive aussi de répondre pour la mise en œuvre d'IDS. Donc, l'idée, c'était de faire profiter de notre retour d'expérience à la communauté pour mettre en évitant certaines choses et aider à construire la feuille de route de Gerpestra. Donc, Maël souhaitait qu'on ne soit pas trop de ce côté-là, pour qu'on puisse nous voir tous. Comme ça, c'est bon. Okay. Donc, première étape, ce qu'on avait proposé, c'est de faire une vision synthétique de Gerpestra, mais honnêtement, on l'a déjà vu hier et aujourd'hui pas mal en profondeur, je pense. C'est après, on le fera après ou on le fait là maintenant? C'est après. Après, ok. Donc le plan c'est ça, déjà, ce qu'on se met d'accord sur une vision synthétique de ce que c'est Gerpestra. Voilà, je parle de Gerpestra, pardon. Présenter aussi Gerpestra dans
et sa concurrence, enfin, quelles sont les autres solutions en fait qui répondent à peu près à la même problématique. Et puis, voilà, il y a un sujet, c'est pas, on est dans un monde en évolution rapide, alors pas uniquement d'un point de vue technologique, parce que ce matin on a parlé de la technologie surtout, mais il y a un contexte plus général d'évolution rapide, hein, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue des besoins des usagers, enfin voilà, des budgets aussi qui peuvent être consacrés à ce genre d'outils, parce que bon, ça reste pas en tout cas quelque chose, donc pour les acteurs publics, il y a des contraintes budgétaires, en tout cas ces derniers temps, qui ont été assez fortes et qui peuvent se ressentir du coup sur voilà, le niveau d'adoption de la solution ou pas. Et puis, on en a parlé aussi hier, des évolutions de pratiques en termes de stockage, partage, mutualisation de données. Quand on parlait, on se demandait s'il n'était pas opportun de se poser la question de la mutualisation, de l'hébergement et de la diffusion des rasters. Ben, voilà, on en a parlé. Avec l'idée maîtresse du truc, c'est voilà, d'essayer de dessiner ensemble le futur de Jorkestra, ou la version future de Jorkestra, je ne sais pas comment. Ouais. Je peux te dire, c'est intermédiaire, c'est plutôt genre qui sera dans le monde. Peut-être, c'est peut-être ça en fait, ouais, j'ai en tête. Ouais, c'est ça. Mais ouais. C'est-à-dire qu'on s'était projeté loin avec enfin, voilà, des évolutions, ouais, que je pense. Bon, bref. Ok, ça marche. Tu veux là ? Ah non, c'est bon. Alors, on peut vous aider, hein. Nous on a pris des notes, des choses comme ça, mais finalement, voilà, selon vous, qu'est-ce qui démarque pour vous, qu'est-ce qui fait que Jorkestra est unique dans le panorama des IDS actuels, voilà. Géocom, la communauté. Ok. Je dirais le fonctionnement en réseau d'instances. Jorkestra. C'est-à-dire que les plateformes se communiquent entre elles, enfin voilà, elles peuvent consommer en fait les ressources les unes des autres, etc. Okay. Donc c'est interopérable. Bah, non, pas tout à fait. C'est une forme d'interopérabilité qui est peut-être plus poussée. Fin... Coopération. Ouais, coopération, décentralisation, Bon, on n'est pas encore au niveau de nœuds avec de l'intelligence artificielle qui échange entre eux, mais... Bah, on y va. C'est modulaire. Il n'y a rien d'obligatoire à part le casque. Oui. C'est OGC aussi. C'est pas unique, mais c'est un point fort. Oui. Mais si on prend Prodige, oui, par exemple... Vraiment, ah, bah, allons-y, vraiment OGC. Sécurité. Réactivité. Tu parles de quoi en termes de réactivité? Prise en compte. Enfin, tu parles de la communauté en fait. Ouais, ouais. Enfin, le cycle de développement. Le cycle de développement. Transparence. On trouve un bug, on le corrige, puis toutes les plateformes. Transparence. 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 Socle. Extensible. Écosystème. Oui, écosystème. Et au fond de la salle, ceux qui dorment ou qui se cachent. J'ai bien passé ici. Bon, vous pouvez aller des trucs qui ne vont pas super aussi, là, non? Non, pas encore. Si c'est vraiment quelque chose de marquant, ouais, vas-y. Moi, je trouve le site jorkestra.org, il est marquant dans le sens où... parce qu'il n'est pas... Il ne donne pas forcément envie de... Des trucs.
Je vais noter. J'étais assez d'accord avec Jean-André ce matin sur le fait que j'ai eu les mêmes difficultés avec le site, les mêmes difficultés que toi avec le site de Géomafie, je crois. J'ai du mal à trouver les informations, tout comme ça. Donc celui de J'Orchestra, finalement. Comme, comme c'est une entrée, si tu veux, ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est pas très illustratif, tu veux dire. Enfin voilà, c'est pas, on ne sait pas concrètement à quoi s'attendre avec ce site-là. Do it yourself, c'est ça. Que de la technique qui reflète. D'accord, c'est une... oui, okay. D'une certaine manière, il reflète une des particularités, c'est-à-dire que c'est la communauté qui agit et donc on voilà, c'est best effort. Et... d'une certaine manière, sur le niveau. Ok. Bon. Enfin, c'est pas en moi, en plus. Enfin, moi, je ne le trouve pas si terrible que ça. Hein. Enfin, si... c'est... pour moi, c'est pas si négatif. C'est pas un point si négatif que ça, mais bon, c'est mon avis personnel. Est-ce que c'est pas le côté modulaire finalement? Enfin, écosystème aussi, enfin, écosystème modulaire, est-ce que c'est pas la même chose? Je sais pas. Hein? C'est quoi? Couteau suisse. C'est nos métiers aussi, parce que c'est une caractéristique marquante qui rentre dans, le, dans les thématiques métiers. Je sais pas si c'est positif. Pas du tout métier. Quoi? Pas du tout métier. L'urbanisme, c'est pas métier. Bah, extension. Ah, ouais, c'est extensible avec des applications de métier. Voilà. Extensible aussi. Est-ce que c'est marquant ça? Bah, pour une exercice. Bon, bah, par exemple, tu ne trouveras pas ça pour Prodige. Enfin, si on prend un exemple ah, au hasard. Ah oui, si tu es sur le niveau. Enfin, je me place solution à la place. Solution IDG. Ouais, solution IDG, voilà. Enfin, parmi toutes les solutions qui pourraient être utilisées pour à peu près le même besoin, enfin, est-ce que. Mais effectivement, si on se met à la place d'une collectivité comme une, comme Decom, comme Dago, enfin, en général, enfin, les concurrents, ça va pas être Prodige, effectivement. Ça va être plutôt Aigle, les solutions Argis, du Lismap, enfin. Bah, ou même Géomafie, je pense. Enfin, voilà, c'est la même chose. Donc, effectivement, comparé à ces solutions-là, pour nous, c'est un outil général. C'est pas une caractéristique marquante pour vous, effectivement. Par contre, du point de vue d'une région, d'un département, ouais, c'est quelque chose de marquant, en fait. Puis dans le discours, on dit plutôt que les outils métiers s'appuient sur l'IDG. Donc, on a plutôt tendance, dans le discours, à les sortir. Quoi. Ouais, monsieur, je peux le faire. Mais. Bon, moi, naturellement, j'ai une tendance à faire des trucs synthétiques et j'aurais tendance à regrouper métiers extensibles, écosystèmes modulaires. Mais un couteau suisse aussi, d'ailleurs. Mais après, il y a peut-être des subtilités que je ne maîtrise pas, mais voilà. Non, je ne sais pas si vous aviez argumenté vis-à-vis de vos décideurs ou un nouvel embauché. Pourquoi vous avez choisi ça? Bah, tu peux le mettre avec OGC ou non? Ah, ouais, mais c'est Inspire plus OGC égale interopérabilité. Non, non, Inspire. Inspire. Bah, on le révise, Inspire, on ne sait pas ce que ça sera dans 3-4 ans. Il peut y avoir des nouvelles réglementations. Pour l'instant, c'est Inspire. Okay. Dans 4 ans, on ne sait pas. Bon, c'est vrai que ça a été conçu pour Inspire. Sans. Enfin, voilà. Okay. Pas d'autres arguments massus J'ai entendu que le code est de qualité. Le code est de qualité. Il y a encore un autre truc que je trouve intéressant, c'est que bah, ça va avec la modularité, mais du coup, mettons, tu passes à J'Orchestra et puis un jour ou un autre, tu décides de passer à autre chose, tu as quand même toutes ces briques qui peuvent être utilisables assez facilement ailleurs. Alors ça va avec la modularité de l'OPC. Mais en fait, on peut décider ensuite de continuer sur une solution qui va s'appuyer sur du Joe Network, Joe Server ou autre chose, ou de faire un truc maison. Mais en fait, c'est à la fois, moi, c'est un truc qui me motive pour aller vers du orchestra, et en même temps, on te dit qu'il n'y a pas de gros risque, parce qu'au pire, tu peux toujours revenir en arrière. Tu ne vas pas sur une plateforme bien spécifique. Du coup, c'est une certaine forme de pérennité. Enfin, liberté.
qui est lié au socle technique qui est à côté de l'écosystème, c'est ça? Bah, ça va, pour moi, ça va avec la modularité, en fait. Mais bon, enfin, bon, j'ai compris l'idée. Qui préserve la liberté de l'utilisateur, finalement, du réutilisateur. Ouvert. Ouvert, oui, c'est vrai. En fait, c'est Non, non, mais moi, pareil, hein, j'aurais regroupé ça avec transparence, en fait. Mais... Alors, moi, j'en ai un qui est autant. Un avantage qu'un inconvénient. Alors, c'est normal parce qu'on réutilise des briques existantes, mais l'interface, elle est hétéroclite. C'est dans les moins, ça. Ouais, enfin. C'est un truc qui nous démarque nettement des autres solutions. Je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient. On réutilise des briques existantes sans les personnaliser. Le manque de cohérence. Oui. Manque de cohérence d'ensemble. L'habillage. L'ergonomie à arrondir, peut-être. C'est ça ? Je ne sais pas comment le formuler. Moi, c'est un avantage parce que je sais qu'on réutilise des briques sans les modifier. Voilà, c'est ça. Il y en a qui vont me dire que c'est n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas de truc qui sort. C'est vrai que c'est une caractéristique. Une approche qui réutilise au maximum l'existant. Ça, c'est positif. C'est positif aussi. Et en même temps, c'est à la fois les deux. Une approche. Et qui est finalement à la communauté, qui est plutôt une fédération d'acteurs. Pas tellement une gouvernance, on va dire, centralisée, mais on essaye de cumuler les travaux des uns et des autres. Enfin, après, en pratique, avoir une interface qui soit homogène entre tous les composants, c'est juste qu'il faut avoir un bon designer qui sache faire du CSS. Et je ne sais pas si c'est. Est-ce que c'est opportun, enfin, voilà, je ne sais pas si c'est opportun ou pas. La scalabilité. À moindre coût. À coût limité. Hein? Je te dois 1,40€, mais. C'est scalable ? Ouais, c'est le prix de scalabilité. C'est pas cher. Ouais, enfin, moi je. Là, c'était juste. Non, en théorie, c'était les caractéristiques, par contre, sans forcément de jugement de valeur. Normalement, enfin, c'est comme ça qu'on avait préparé le truc. Effectivement, on a fait déjà une analyse des points forts et des points faibles. Mais je vous en avais oublié, donc on aura le temps d'en discuter. Ben ouais. En fait, les cibles. Moi, une des choses qui me semble importante, c'est de savoir finalement qu'est-ce qu'on cible comme type de plateforme, comme type à la fois d'utilisateur ou d'organisme qui va déployer ce genre de choses. Alors, on va dire, en mettant en place une IDS, en fait, on cible tous les usages, en fait, parce que c'est une infrastructure. Les applications métiers qu'on veut dessus, on les met. Ceci dit, autour de la table, on n'a quand même pas une très forte hétérogénéité des acteurs. Donc ça peut être pas mal, je pense, de voir ensemble finalement qui, de votre point de vue, en fait, qui est le principal bénéficiaire de ce genre de plateforme, à qui on s'adresse avec cet outil. Donc ça peut être vu de différentes manières, hein. Alors, comme je disais, soit des organismes, soit des métiers, soit des types d'utilisateurs, des pays. Géographique. Ok, donc pas la Suisse. Ouais, mais on peut le noter quand même. Après, on n'est pas tous d'accord, mais effectivement, on pourrait effectivement, enfin voilà, on pourrait se dire
La cible, c'est quand même les géomaticiens, quoi, et pas tellement des gens qui ne travaillent pas avec l'information géographique. En tout cas, je pense que c'est une remarque qui est justifiée, parce que en pratique, bon, je ne sais pas sur la plateforme que je connais, ceux qui utilisent vraiment l'outil Georgestra, hein, je ne parle pas de ceux qui ont des comptes sur la plateforme Pipi, GeoPicardi, SIGA, ceux qui utilisent vraiment toutes les fonctionnalités, ma fiche app, l'extracteur, le catalogue, la très grande majorité, en fait, ce sont des géomaticiens, des gens qui ont l'habitude de la donnée géographique, de l'usage qu'ils peuvent en faire. C'est pas chez nous. Oui, je te parle de, enfin, pour les plateformes régionales en tout cas. Que ce soit plus clair. Oui. Mais après, voilà, enfin, tu peux ne pas être d'accord, mais. Non, l'idée, c'est pas que tu te pèses, mais c'est qu'il y a quand même, je pense, sur une partie des plateformes qui sont déployées aujourd'hui. Des catégories d'utilisateurs qui ne sont pas les mêmes que ceux des autres plateformes. C'est lié à une question d'animation, aux outils qui sont effectivement déployés, puisqu'on a une solution qui est modulaire, donc on n'est pas obligé de déployer tous les outils. Donc on ne cible pas forcément les mêmes utilisateurs. Voilà. Par exemple, pour ce qui est Géopicardie, aujourd'hui, Cadastrap n'est pas déployé. Hein. Votre outil d'urbanisme non plus. Voilà. Fichap et Géonetwork, j'en ai pas spécialement utilisé par des géomaticiens, des gens qui ont une culture. Ouais. Dans ce domaine. Grand public, quoi. Fichap. Pas grand public, mais un métier avec un petit. Mais les bureaux d'études, ils ont quand même. Mais pas spécialement géomaticien avec. Oui, mais c'est des gens qui. Enfin, c'est une sensibilité géographique. Mais pas forcément en plus une sensibilité géographique. Non. Non, et puis il y en a de plus en plus. Si on prend le cas de manière du GIP, bon, vous avez bien des outils qui sont plutôt. MapFichap, Georgestra, et à côté Cartogip. Et vous ciblez bien des utilisateurs qui sont différents sur les deux, plateformes. Bah, Cartogip va être plus destiné à des spécialistes, pour le coup. Mais des spécialistes, pas forcément de l'information géographique, de certains métiers. Par exemple, pour la cible des utilisateurs, moi j'ai une installation où, en fait, c'est pour un parc UNESCO. Donc l'idée, on a une SDI qui documente les données pour le monitoring de l'évolution sur les années, je ne sais pas, de la qualité environnementale, de l'activité économique. Et puis, il y a aussi, avec ces flux, des informations touristiques qui sont publiées par des web services. Et ensuite, dessus, des entreprises qui ont fait des applications à destination du tourisme et qui viennent sortir de l'information WMS, WFS, avec un public touristique. Ben ça, c'est une très bonne remarque. Du coup, la cible de Georgestra, est-ce que ce n'est pas aussi ces entreprises qui développent des applications à valeur ajoutée? Voilà, parce que les utilisateurs, ils ne rentrent pas directement. Il faut élargir. Voilà. Non, mais ce que je disais, c'est que l'utilisateur, finalement, en l'occurrence, dans ton cas précis, ce n'est pas un utilisateur de Georgestra direct. Il le fait au travers d'un autre outil qui, lui, exploite Georgestra. Et donc là, dans ce cas-là, enfin, je ne sais pas si tu parles. Si c'était un Georgestra d'ailleurs. Oui, c'est un Georgestra. Ouais. Et là, vraiment, Georgestra a son rôle d'infrastructure de données spatiales. Donc la couche vraiment sous-jacente à toutes les applications métiers, grand public, etc. Bon, ça peut paraître un détail, mais c'est là où je fais la différence entre une infrastructure et puis, on va dire, une plateforme. Ouais. Mais sur Pigment, il y a une appli là, qui a été développée et financée par la région, Itiaki, qui est des itinéraires de rando et vélo sur la région. Et nous, on fournit tous les fonds plans. C'est Pigment qui fournit les fonds plans de l'application. Oui, mais c'est exactement ça. C'est des outils, finalement, qui vont exploiter Georgestra en lui-même. Tout le monde a ce cas-là. Mais par contre, sur toutes les plateformes, on n'a pas forcément
le même type d'utilisateur qui se connecte à Jorchestra directement, qui a un compte dessus, qui va utiliser l'extracteur de données, ce genre de choses. Quoi. Il y a un public qui me semble, enfin bon, après on peut arrêter ce débat-là tout de suite hein, sur l'utilisateur, mais on a quand même des outils, une catégorie d'outils qui sont, enfin, qui est destinée à des spécialistes d'information géographique, parce que quand on télécharge des données, c'est pour en faire une réutilisation après. C'est pas simplement comme on fait avec MViewer, par exemple, où on a directement une donnée qui est en quelque sorte digérée pour un usage particulier. Et puis ensuite, des outils qui sont mis à disposition de géomatiens en vue d'être réutilisés, par exemple, dans d'autres SIG ou en vue d'être déployés sur une autre application web. Mais bon, après, c'est juste une distinction que je fais. Moi, j'ai juste par rapport au point des bureaux d'études qui exploiteraient des flux pour remettre ça à disposition d'un public plus large, j'inclurais quand même le public plus large dans les utilisateurs parce que de facto, ça veut dire que la solution qui est sous-jacente, elle doit être hyper performante, elle doit être scalable, elle doit tourner le samedi dimanche quand le public est sur l'application et ça impacte beaucoup de choix d'architecture, de configuration. Dans nos rapportages, quand on fait part du nombre d'utilisateurs, on ne mentionne pas le nombre de personnes dans le LDAP, on mentionne le nombre d'adresses IP. Et c'est ça qui témoigne de l'usage, des usages. Donc effectivement, je rejoins ce qui est dit. Et c'est peut-être aussi, enfin, du coup, si tu fais une distinction entre le nombre d'utilisateurs qui sont inscrits dans la plateforme et le nombre de, on va dire, de requêtes de hits, à mon avis, ça témoigne justement d'un double usage de la plateforme et qui vaut le coup d'être explicité. Et donc de voir finalement où sont les priorités entre les différentes catégories d'utilisateurs. Enfin, je ne disais pas ça pour dire que il y avait des sous-catégories ou je ne sais pas quoi. Ou... J'ai du mal à décoder ce que tu veux. Moi, de mon point de vue, je vais avoir une typologie de trois utilisateurs finaux. Il y a des chargés de mission qui sont un peu tout-terrain, qui vont avoir les capacités à se comporter comme des géomaticiens, mais plutôt sur un domaine thématique de compétence. Donc un outil très générique qui leur permet de faire leur propre vinaigrette, leur propre mayonnaise, ils ont besoin de ça. Mais par contre, j'ai d'autres utilisateurs qui sont plus monotaches, ils ont besoin d'autres outils. Donc je ne les retrouve pas. Ben non, parce qu'on vous demande de les proposer. Oui. Utilisateur monotache, utilisateur coin tout terrain, c'est ce que tu disais. T'as aussi des utilisateurs qui font du renseignement public. Hein. Nous, on a des utilisateurs qui ont l'application devant eux et ils reçoivent du public et l'urbanisme, par exemple. D'accord. Donc là, il y a des contraintes parce que quand tu as quelqu'un en face de toi qui te demande si son permis de construire va passer et que ton appui ne marche pas, pas bien. C'est le problème de guichet. Ouais. J'appelle ça utilisateur monotache, mais je n'aime pas ça. Par exemple, est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus spécial? Enfin, moi, ça ne me gêne pas de le marquer comme ça. Et c'est des gens qui font des tâches un peu arrêtées, il n'y a pas de problème. Ils sont... Ce qu'on veut désigner par là, c'est les utilisateurs qui ont besoin d'une application spécifique dédiée à leur métier. Après, ils savent faire d'autres choses, mais en tout cas, dans leur mission, c'est ça. Et on a besoin de leur mettre à disposition une application vraiment spécialisée. C'est une application orientée cas d'utilisation, en fait. Oui, ça. Et un cas d'utilisation, enfin, en général. Et puis t'as l'autre, enfin l'autre tu laisses dans géomaticien du coup. Alors celui qui correspond un peu au bureau d'études aussi, il va piocher, il va faire sa source. En fait, il y a pour une partie des plateformes, ce qui est pas, je pense que c'est pas le cas pour vous, mais un usage des plateformes régionales, c'est de mettre à disposition des référentiels communs à tous les partenaires du territoire. Ça c'est un type d'usage. Vous faites la même chose, ok. Et donc du coup, la cible pour ça, ça va être plutôt le géomaticien en fait du terrain en question. Mon expérience sur le territoire que je connais mieux, c'est ça. En fait. Et ça va pas être le chargé de mission. Ça va pas être le chargé de mission qui lui va récupérer la donnée en général. Il va faire confiance
un son, on va dire, référent SIG localement pour récupérer la donnée et, enfin, voilà, et en faire un, enfin, digérer la donnée pour qu'elle soit utilisable par lui. Nous, une idée, c'est qu'il se passe du géomaticien. Alors, ce serait mieux, effectivement. Mais par contre, est-ce qu'on peut, on va dire, à une échelle d'une région, est-ce que la plateforme régionale, surtout quand elle a, on va dire, une ressource humaine et demie, peut répondre à tous les besoins des territoires en termes d'information géographique? Une constatation empirique qu'on a faite, alors je ne sais pas si elle sera partagée par mes collègues de la région, est que notre cible était au départ les géomaticiens en essayant de les amener sur la plateforme. Et donc, en faisant un cahier des charges qui aboutit à un outil avec le plus de fonctionnalités qui ressemble à un cible. Et on a relativement arrêté d'essayer de récupérer cette population parce qu'on a compris qu'elle était sachante, qu'elle était équipée, qu'elle avait déjà les données qu'on doit lui servir, et que donc ça ne servait à rien d'essayer de lui faire passer de ses outils hyper puissants, les données qu'elle a déjà, et du savoir et du pouvoir qu'elle a déjà. Donc aujourd'hui, on se retourne un peu plus vers justement les gens qui n'ont pas ni le savoir, ni les outils, ni les données, et ça devient ça, la cible de la plateforme. Ok. Je comprends. Mais en fait, il y a une transition temporelle hein, qui s'est passée chez vous. C'est-à-dire que à un moment, enfin voilà, vous avez changé de cible. Et ça s'est concrétisé comment? Au niveau de la plateforme. Avec un viewer, voilà. Donc voilà, c'est lié aux outils en fait qu'on met à disposition. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'extracteur de données, de Mapfisher, qui sont pas. Je pense qu'il y a deux catégories d'outils et des outils qui sont plutôt, on va dire, riches fonctionnellement, c'est-à-dire qui sont issus. D'ailleurs, bah, c'est peut-être oui, tout simplement issus du cahier des charges initial. Et puis il y a des nouveaux outils qui émergent, qui répondent à d'autres types d'utilisateurs ou d'autres usages. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire, d'autres usages. C'est ça, on voit bien l'évolution temporelle, géomaticien au début. De plus en plus large des flux, et puis là, actuellement, les applications métiers, ça permet de faire aller dans le même sens. Comme ça. Pour aller vers le grand public. Je ne sais pas si c'est partagé, cette évolution. Il manque aussi le producteur-diffuseur qui veut. C'est une cible aussi pour la plateforme, la oui, personne tout peut l'amener à publier. Ça va pour valoriser ces données. J'ai pas entendu. Producteur-diffuseur, valoriser ces données et partager. Exactement. En fait, c'est le cas pour Geopiterni, par exemple. Geopiterni, c'est un service qui est offert aux partenaires pour se mettre en conformité par rapport à la directive Inspire. Voilà. Et le développeur, client de la plateforme. Alors, développeur, c'est-à-dire que c'est pas le développeur de Georgestra. C'est un développeur tiers qui veut faire une application spécifique pour un usage, exploiter les données de la plateforme ou d'autres. Voilà, c'est veut faire une application qui interopère avec Georgestra. Le cible, c'est des organismes comme le géocatalogue, la Commission européenne. De manière, oui, d'une certaine manière, puisque dans le cadre de la directive Inspire, il y a une obligation à publier les métadonnées d'une manière directe ou indirecte. Sur le géocatalogue. Donc effectivement, il y a, on va dire que il y a un catalogue abstrait. Ouais, voilà. Enfin, il y a, ouais, tu peux l'écrire comme ça, catalogue abstrait. C'est pas très joli, mais. C'est un peu les organismes entre guillemets de certifier. C'est pas la certification, mais c'est quand même un tampon. Oui. On passe au géocatalogue. On passe. Là, d'ailleurs, ça peut être géocatalogue. Ou... Mmh. Je ne sais pas si. Est-ce que ça peut être GUIDE ou pas? Est-ce que du coup. Non, je ne sais, enfin... sais pas si c'est une cible. Ce sont des organismes de contrôle. La cible étant publique. Et eux sont chargés de vérifier. On met ça à disposition. Non, mais ça dépend ce qu'on entend derrière cible. C'est vrai que là, je dirige l'information vers des cibles. C'est là aussi. Une surface. On a parlé d'organisme tout à l'heure, enfin, je ne sais pas si, voilà, finalement la cible, est-ce qu'on a...
toutes les collectivités, c'est les organismes de recherche, c'est plus large que ça. Enfin, est-ce qu'on peut chercher autre chose? Est-ce que ce serait pertinent de... Oui. Les IS, le plan data par défaut vont devenir toutes les organes, toutes les structures qui c'est plus de 50 personnes. Les administrations qui ont plus de 50 agents, voilà, et, 50 agents. Et plus de voilà, 7500 habitants. Voilà, 3500 vont devenir une cible pour les. Elles vont avoir une obligation, effectivement, de publier leur... Et est-ce qu'on va mettre à disposition des outils? D'accord. Donc, est-ce qu'au niveau de la cible, du coup, on mettrait quoi comme cible pour cette problématique Open Data? Administration, c'est une cible. Administration Open Data. Les administrations publiques sont aussi vraiment identifiées. OK. Aucune distinction de toutes les administrations. Si on lit l'article 1, d'après ce que j'ai compris, c'est la donnée doit circuler entre administrations. Différence de l'activité, ça ne sait pas. Enfin, c'est différent. Okay. On s'arrête là. Les élus ne sont pas visibles, jamais visibles. Si, si, complètement. Ça dépend ce qu'on appelle par cible, finalement. Oui, oui. Alors, ta question, c'est cible en tant qu'utilisateur particulier ou en tant que personne à convaincre, en fait? Les deux. Non, il n'y a pas de convaincre. Bon, moi, j'ai, franchement, j'ai jamais été en contact vraiment d'élus dans le cadre de mon travail, enfin, pas en tout cas sur des questions techniques liées à l'utilisation ou déploiement ou au choix de la solution technique. Donc j'ai peut-être une perception biaisée, mais je pense qu'en général, il se passe assez bien des outils informatiques et qu'ils confient ça aux services qui sont en charge de le faire. Alors dans certains cas, effectivement, ça peut être pertinent d'arriver à leur montrer que ça fonctionne et que ça a été un bon investissement sur des événements, on va dire, grand public, ce genre de choses, mais ça sert à rien, finalement. Enfin, ça sert à rien. Je pense qu'on ait l'opportunité d'aller jusque-là. Enfin, si. Je sais pas, peut-être que vous êtes plus proche de vos élus, vous, à Rennes, je sais pas. Non. Non. Donc voilà, moi j'ai juste eu un cas où j'ai été en contact avec une vice-présidente de région parce qu'elle était chargée de mission dans une autre administration. Donc c'est un cas très particulier. Marquez à nouveau quelque chose? À la limite, on ne peut même pas spécialement les élus, enfin, en tout cas de manière indirecte, mais après, je ne pense pas que ce soit la peine de marquer quelque chose. Le champ consulaire, les professions. Nous, on a le syndicat des viticulteurs. Oui, le syndicat des eaux aussi. Alors, en fait, dans le cadre de la loi pour une République numérique, ce qui est appelé administration, en fait, ce sont les porteurs de missions de service public. Donc, en fait, les chambres consulaires, enfin, en partie, en tout cas, rentrent dans ce cadre-là. En partie. Toutes les missions, ce n'est pas que des missions de service public, à ma connaissance. Enfin, il me semble, je ne suis pas un spécialiste. Mais... Ça représente la profession. Des professions. Des professions. Non. Bon, après, je ne sais pas si... Mais je pense que c'est à peu près la même cible, en fait. Enfin, je pense qu'on peut le mettre dans le même package sans distinction. Par contre, on pourrait... Enfin, je ne sais pas, hein. On pourrait se poser la question des gestionnaires de réseau, par exemple, privés ou pas. On pourrait se poser la question des organismes de recherche comme le CHOM, l'IFREMER, le CNRS, les gens qui sont aussi parmi nous. Quoi. On pourrait se poser la question de d'autres types d'acteurs privés, enfin, je ne sais rien. Hein. Mais si on n'a rien ajouté, on n'ajoute rien. Parce... Il devrait être là, il y a les chercheurs. Les étudiants, peut-être.
Enseignement-recherche. Bon, si on met enseignement-recherche, ça va, les étudiants? Alors après, effectivement, c'est, et ça, c'est sûrement enfin, encore des besoins différents en termes de type de service, enfin, je sais pas, en termes de... Pas tant que ça. Moi, je vais en rajouter encore un. Un peu le journalisme et le grand public. Parce que dans ces IDG, il y a des données qui sont riches. Et en fait, si on anime en disant, voilà, en ce moment, il y a une actualité, je ne sais pas, c'est le risque de maladie de Lyme avec les tiques, en disant, nous, on a la carte des risques dans le jeu portail, ou dans l'IDG, et puis on a un lien qu'on peut diffuser, qu'on peut intégrer dans un article du journal, qu'on peut publier. Et bien là, tout de suite, vous mettez en valeur le... Vous pouvez suivre l'actualité et mettre en valeur votre contenu. Mais d'ailleurs, si tu as une donnée libre transfrontalière sur ce sujet, je pense que ça fait un tabac. Mais effectivement, mais je pense que là, on rejoint en fait une dynamique particulière qui est celle de l'open data, où justement, on est dans le... Enfin, avec l'open data, enfin, avec le mouvement sur le data journalisme, l'accès à la donnée, la transparence vis-à-vis des citoyens, etc. Je pense que là, on est en plein dans la connexion avec l'open data, dans ce que tu dis, en fait. Ok. Bureau d'études, après privé. Grosse maison. Moi, j'ai proposé, après, moi, j'en pense rien. Je sais pas si c'est un besoin, en fait. Si vous le ressentez comme un besoin. Je sais qu'il y a une grosse problématique. Chez nous, les 10, ils sont bons consommateurs. Oui, nous aussi. C'est vrai, ils sont privés, publics. Je ne sais pas, c'est pas vous, ce n'est pas une caractéristique. Ouais. C'est le métier ou le besoin. Est-ce que, enfin voilà, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que du coup, on a besoin de quelque chose de spécifique là-dessus ou pas, enfin, pour répondre à leurs besoins, s'ils ont des besoins spécifiques. La concurrence, en fait, la question, bon, je sais pas, enfin, moi je travaillais pas mal sur des cahiers des charges de l'IDS, d'évaluation d'offres dans ce genre de contexte. Moi, je pensais que c'était important qu'on partage en fait finalement comment on évalue une solution technique quand on veut mettre en place une IDS. C'est une guêpe. Enfin, classique. Donc je sais pas. Finalement, qu'est-ce qui vous semble important? Enfin, on n'est pas. Enfin, je sais pas si vous avez déjà participé à ce genre d'exercice, hein, d'évaluer des offres. Voilà, je pense que ce serait pas mal que vous dites finalement, c'est quoi pour vous le retour d'expérience que vous avez eu, les différents types de propositions que vous avez eues. Finalement, qu'est-ce qui a fait la différence ou qu'est-ce qui devrait faire la différence? Je sais pas comment il faut le tourner. Après, ce n'est pas forcément une chose, hein, parce que c'est un ensemble. La censure de la DSI. Alors, la censure de la DSI, ça se concrétise comment? Parce que là, c'est un peu abstrait pour moi. Ça veut dire qu'indépendamment des qualités du logiciel, à un certain moment, il y a une direction des systèmes d'information qui est légitime pour se prononcer sur ce qui entre ou pas dans une organisation. Et donc, elle pose ses conditions en amont, voire en aval. Et c'est difficile de passer outre ces conditions. Alors, dans le cadre de... Effectivement, si en tout cas la solution doit être hébergée, on va dire intramuros. Parce qu'il y a Internet Explorer. Voilà. Ah oui, ça, une question d'interopérabilité, oui. Okay. Non, c'est plus interopérabilité. Interopérabilité avec un truc bizarre, ok. Mais effectivement, bon, ça malheureusement c'est quand même quelque chose qui est difficilement maîtrisable. Enfin, au cas par cas, c'est maîtrisable. Ouais, ça existe. Effectivement. Un critère d'évaluation, on avait fait un petit peu d'accompagnement d'agglomération Comcom quand il s'équipait de SIG à des niveaux à cette échelle-là. Le conseil qu'on avait sur les 3-4 prestataires qui venaient, nous on essayait de les orienter pour leur dire faites un choix. Sans vous retrouver pieds et poings liés avec un prestataire. Et c'était suivi des faits ou pas forcément, mais là-dessus, nous, on essayait de les alerter sur assurez-vous que la solution que vous allez prendre va être interopérable avec l'existant autour et que vous allez pouvoir être autonome
si vous le désirez, pouvoir être autonome et pouvoir changer le cahier cher. Donc effectivement, ça c'est lié à l'interopérabilité, enfin l'interopérabilité, l'ouverture de la solution. Oui. C'est la réversibilité. Réversibilité des autres. C'est pas moi. Oui, non, mais. Il y a l'intégration dans ce qui existe. L'intégration dans le LC, c'est comme un jeu. Ok, mais ça, ouais, okay. Ouais. Mais ça revient dans le, ça, c'est lié au premier et puis au, à l'interop aussi. Enfin. Bah, le prix est toujours présent. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on, enfin, c'est inévitable. Après. Les prix, parce que c'est quand même pas, t'as les coûts à différents niveaux. T'as oui. Les coûts de licence, t'as les coûts d'hébergement, et puis t'as les coûts de formation et maintenance. Quand même. Oui, mais donc, cela dit, en général, dans les cahiers des charges, enfin, en tout cas pour les consultations publiques, il n'y a pas de distinction. En fait, on se base soit sur, on va dire, un prix global, soit une simulation, enfin, une simulation de facture, un scénario, voilà, qui prend en compte des évolutions futures, par exemple. Donc, globalement, ça reste un critère, au niveau de l'analyse des offres, ça reste un critère unique, en fait, alors qu'il soit à 20%, 30%, 40%, 50% de la note. Les références. Ah, les références. Alors, du coup, les références de la solution, parce que, en fait, ouais, il y a deux choses souvent dans les offres. Hein. Il y a les références de la solution et il y a les références du prestataire. Sachant que, non, les références du prestataire, je pense que ce n'est pas légal, en fait. C'est plutôt les compétences, en fait. Les compétences dont il faut parler. Parce qu'il faut pas biaiser la concurrence en éliminant un prestataire qui serait tout jeune, en fait. Donc, il n'aurait pas de référence. Et du coup, il n'est pas compétent, c'est ça? Ben, il peut être très compétent et avoir aucune référence. Alors, tout jeune, il y aura les erreurs de maturité de jeunesse, quoi. Oui, mais en tout cas, pour une administration publique, dans le cas d'une consultation publique... Oui, dans la réalité... Il y a une manière de formuler, en fait, voilà, dans le code des marchés, enfin, voilà, il faut... Ouais. Vas-y. Moi, je vois finalement la question dans l'autre sens. Comment est-ce que je choisis un prestataire qui va pouvoir faire mon projet avec la techno que j'ai envie, dans les temps que j'ai besoin et avec la qualité que je souhaite? Et en fait, ça, je pense que c'est très dur avec les critères qu'on a vus là, d'arriver à sélectionner ce partenaire. Parce que, donc, comme tu dis, il y a des aspects finalement... je ne sais pas, un ingénieur technico-commercial va arriver à décrire la solution, que ça correspond bien, etc. Et puis après, il y a l'aspect, est-ce que finalement le budget il a été dimensionné comme il faut? Et puis si en fait, il n'est pas dimensionné comme il faut, le projet il y a un risque qui traîne, il y a un risque qui n'est pas assez de ressources, il y a un risque qui est sur la technique et la qualité. Et ça, on ne le voit pas dans le... Je comprends. Et c'est un vrai problème. Ceci dit, la démarche qu'on essaie d'avoir ici, c'est d'identifier finalement quels sont les... Quelles devraient être les caractéristiques de la solution pour s'imposer finalement, s'imposer dans une consultation publique avec de la concurrence. Après, bon, effectivement, le prestataire, moi, on n'est pas là pour donner les caractéristiques du prestataire idéal. C'est vraiment, faut qu'on se concentre, je pense, sur les aspects techniques. Lié à la solution et pas trop sur le prestataire. Il faut que la réponse soit adéquate à la demande. Oui, mais cela dit, on peut écrire ça, mais ce n'est pas ça qui nous fera après déduire comment faire évoluer la solution. Enfin, à mon avis. Est-ce que la pérennité et les capacités de développer sont écoutées? Oui. Ils sont là. Ils sont là déjà. Oui. L'autonomie, la réversibilité. Non. Parce que la réversibilité, c'est tout. Enfin, je dirais pas pour la réversibilité, mais l'interop, la liberté, ça, ok. Mais la réversibilité, c'est vraiment une clause des marchés publics qui est vraiment liée au prestataire et un devoir du prestataire, après, de permettre la réversibilité du truc. Et c'est pas forcément lié à une caractéristique de la solution. Enfin, à mon avis.
Mais par contre, la pérennité en soi, c'est un choix important qui est toujours ressorti enfin, de manière directe ou indirecte dans les critères de choix. Et la pérennité, alors, bon, elle est liée aussi à la communauté, enfin, à la force de la communauté, à la vivacité de la communauté autour de la solution. Et ça, dans toutes les analyses d'offres auxquelles j'ai pu participer, c'était un critère important. En tout cas, pour des solutions libres. Je pense que c'est un des principaux critères sur le choix de la technologie. Oui. La taille de la communauté. Bon, qui est un des facteurs de la pérennité. Parce qu'en général, c'est plutôt la pérennité qui ressort de manière plus globale. Dans pérennité, tu mets les choix de techno, de langage, c'est là-dedans que tu mets. Ça peut en rentrer en ligne de compte, mais la pérennité, ce que j'entends, c'est voilà, est-ce que la solution qu'on est en train de choisir, on va encore pouvoir s'appuyer dessus quand on devra renouveler le marché, par exemple. Mais en cours de marché, la solution, elle peut changer de techno. Un exemple avec la discussion qu'on a eue ce matin, on parlait d'un MapiShap avec SGS, la solution actuelle. Dit autrement, un prestataire qui va nous faire une proposition avec du COBOL, on ne va pas le retenir. Je dis n'importe quoi ou du basique, mais on va. Nous, on va juger que sur ce qu'on attend, ça ne va pas le faire. C'est autre chose que la pérennité. C'est autre chose que la pérennité. Tu peux avoir des trucs qui durent 25 ans. Depuis 25 ans, ils sont pérennes, ils ne bougent pas, ils font le taf, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais si tu changes ce système-là, tant qu'à faire, tu pars sur des technos modernes. Je sais pas comment on peut passer à la page suivante. Mais je peux te donner un exemple plus concret. Je peux te donner un exemple concret avec un langage qui n'est pas aussi tiré par les cheveux que le COBOL, mais qui est par exemple un exemple d'un prestataire qui proposait une solution similaire à Jorchestra, mais avec du Flash. À une époque où Apple avait décidé de plus supporter le Flash, par exemple. Donc là, c'était de toute évidence un défaut de pérennité et d'interopérabilité à terme. Si, on a déjà fait. C'est le marquant pour... Ouais, on a déjà fait, on passe. C'est pour une fois. Donc, en fait, on a déjà fait. C'est pas forcément... Après, moi, je pense que vous avez oublié des choses dans les points forts et les points faibles. Si tu peux revenir au premier truc. On n'a pas fait les points faibles. Non, on n'a pas trop fait les points faibles. On peut le faire. Alors, vous changez le sujet. Moi, je vous donne un exemple qu'on a évoqué, alors je ne sais pas quand, mais on n'a pas de documentation. Moi, j'aurais tendance. Alors, ça dépend pourquoi. Moi, je ne sais pas où je le mettrais, en tout cas. Mais en tout cas, la documentation, c'est un sujet, on va dire, récurrent au niveau de la communauté. Je pense qu'il y a deux aspects dans la documentation. On va dire qu'il y a la documentation. Alors, quand je dis documentation, c'est au sens large. Ça peut être des screencasts, ça peut être. On va dire des supports à l'apprentissage, de manière générale. Donc, après, il y a des choses qui sont utiles pour les administrateurs, des choses qui sont utiles pour les utilisateurs finaux. Il y a des choses comme ça. Mais pour... Dans les points forts, a priori, c'est traduit en portugais, maintenant, l'orchestre. Il vient de trouver une vieille des Açores qui utilise les orchestres. D'accord. Ça s'appelle Dina do Porto. En regardant les logs de Bretagne, en s'assort, c'est bien. Ouais. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de villes où ça sort. On cherche un endroit pour le prochain géocode. on peut leur signaler qu'ils ont été choisis. Oui. À l'unanimité. Je l'envoie sur leur Twitter. Oui, je peux l'envoyer sur la liste. Sur la complexité, je suis toujours partagé parce que
c'est enfin sur la documentation. Parce qu'on peut estimer qu'il faut faire le maximum de documentation pour pouvoir arriver à quelque chose, mais on peut aussi essayer de faire de sorte que ça soit le plus simple possible pour qu'il n'y ait pas besoin de faire de documentation. Et donc, sur cette question-là, je ne sais jamais s'il faut dire qu'il n'y a pas assez de doc, ou alors c'est trop compliqué. Alors, et là, je rebondis, je dis, tout à l'heure, tu as fait une remarque sur le site web. C'est-à-dire qu'il était à l'image de, peut-être de la solution. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas un lien, justement, enfin, je ne sais pas bien. Si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est comme ça. Et oui, je ne sais pas dire si finalement ça peut jouer en faveur ou en défaveur. Ok. Bon, moi, globalement, j'ai le sentiment que c'est... Enfin, en tout cas, pour des gens qui ne connaissent pas la solution, ça paraît compliqué et ça joue en défaveur de la solution. Enfin, c'est plutôt en... Mais... Tu crois ? Si je crois à ce que je dis... Alors, on ne m'a pas payé. Non, pour finir, je me demande si dans un choix, les gens ne sont pas décidés avant. C'est pour ça que je dis. C'est pas dans le choix, c'est comme une boîte noire. Hein. Non, ce n'est pas présenté comme une boîte noire. Mais une boîte noire, à la limite, ça peut être une boîte noire presse-bouton. Qui fait les choses automatiquement sans qu'on ait effectivement besoin de documentation. Et une boîte noire, ça peut être quelque chose, on dit, c'est pas presse-bouton, on ne sait pas comment ça fonctionne, on n'arrive pas à la faire fonctionner. C'est pour ça que ça paraît complexe aux gens, c'est qu'on ne représente pas le truc comme une boîte noire. Je ne sais pas ce qu'on veut faire. Oui, oui. Ben, d'accord. Ok. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être un déficit de documentation pour les cibles. Oui, c'est peut-être ça. En termes de code, si on va tout en bas. Ah non, mais alors c'était pas. Oui, oui. Je veux dire, nous, la documentation, finalement, c'est des tests unitaires. Oui, voilà, non, effectivement, je point fait, pour moi, c'est la base de la base. Je me mettais pas à la place des développeurs, effectivement. Ouais, ou... c'est cool. Ouais, mais tu as raison. Il est très large, quand on peut aller très loin. Oui, oui. Et pour moi, la faiblesse, c'est d'adopter vers les cibles. Oui. Je vois que des administrateurs de région qui n'ont pas Jorkestra, ils se disent, tiens, d'autres ont Jorkestra, ils ne savent pas dire si c'est comme ça, s'ils ne sont jamais fouillés, si... ça sera mieux, moins bien, pas évident. Non. Effectivement, on sait, en tant qu'administrateur, au moment de faire un choix, par exemple, si on se pose la question est-ce que l'orchestre est opportun, on fait un choix, si on se penche sur la solution, effectivement, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, en fait, concrètement, comme quelles seront les tâches, finalement, de l'administrateur, quelles seront les difficultés qu'il va rencontrer, ce genre de choses. Effectivement, je pense qu'il y a une... Dans ce cas-là, on passe un coup de fil. Ouais, on passe un coup de fil, on prend une formation. On prend une formation catalogue. Mais quand tu... Non, je sais pas, quand tu es au stade de choisir ta prochaine IDG, de mon point de vue, ça vaut la peine d'investir sur prendre des contacts auprès de ceux qui l'utilisent, aller voir l'éditeur ou des partenaires qui l'implémentent, obtenir une formation de un jour ou deux pour se familiariser avec l'outil. Enfin, on les a au téléphone. Hein, c'est vrai que ça ne sert à rien. D'accord. Moi, je parlais des cibles, vraiment des cibles. Parce qu'il y a des gens qui sont... L'orchestra s'est donné une image de produit qui va assez loin dans des fonctionnalités, qui est modulaire, tout ce qu'on a vu. Et donc, il y a des gens qui sont prédisposés à accepter ça au détriment d'autres choses, et d'autres qui sont prédisposés à aller vraiment dans d'autres choses. Donc, okay. En fait, je trouve que le jeu n'est pas si évident que ça. Pas si évident, et toi, donc, ta démarche serait de dire, on reste comme on est, parce que de toute manière... Non, j'écoute. Ah, ok. Non, je pensais que du coup, tu allais nous conseiller une démarche, quoi, pour... Je pense que la démarche que tu as suggérée est la bonne. C'est-à-dire que le site est à l'image de notre cible actuelle, c'est-à-dire des administrateurs qui vont monter quelque chose, et donc WMS, ils comprennent ce que ça veut dire, quand c'est marqué dedans, mais c'est pas du tout orienté vers d'autres cibles, donc ça dit pas, en gros, à quoi ça sert. Alors que l'idée, c'est d'afficher un plan dans lequel d'organisme. C'est ça, on comprend à quoi ça sert. Mais une idée, ça ne comprend pas. Enfin, ça fait partie des points que moi, j'allais aller sur la table demain. Donc, j'ai déjà parlé, moi, je veux un site édito pour qu'on puisse faire des choses
sur le site web. Enfin, moi, je suis dans VSC depuis peu de temps et j'ai essayé d'apporter un peu d'énergie sur ces choses-là pour dérouler les cas d'usage avec des sites. Moi, c'est ce que je voulais faire. J'allais le proposer demain. Parce que j'estime, comme toi, qu'il y a un déficit actuel. Ok. Ok, d'autres. Enfin bon, là c'était une idée de point faible, après c'est pas forcément un point faible. Est-ce qu'il y a des gens qui voient vraiment. Je sais pas, qui ont d'autres points faibles à identifier. Bon. Non, mais c'est Sébastien. Un des points faibles que j'identifierai maintenant, là, c'est il n'y a pas de GC dans la vie. C'est très bien de s'appuyer sur cette vie-là. Et je pense que ça vaut tout aussi de soutenir à autre chose. Donc ça peut être une plateforme d'organisateur, ça peut être. Ça reste à définir. Mais je pense que ça vaut tout de regarder ce qui est possible et bien par ailleurs de l'utiliser. Ok. Et ouais, concrètement, tu... Maintenant, une plateforme type Scénar, j'aimerais bien pouvoir réutiliser des données qui ne sont pas forcément que géographiques. Voilà. Exactement. Donc, par exemple, des données statistiques, genre des tableaux Excel, des fichiers CSV, voilà, ok. Ça, je le mets en situation d'utilisateur. Sur une utilisateur de plateforme, et puis aussi en situation d'une administration qui voudrait répondre avec la même solution aux besoins Open Data, aux besoins Inspire. Ok. Il y a aussi le map fichier, enfin, qui n'est pas du tout utilisable pour le grand public. Mais bon, ça, on en a déjà parlé. C'est dur. Ah oui, non, mais si je me mets à la place de la com, moi, je vais aller voir la com, je leur dis, là, on va vous mettre du Jarpestra, je sais d'emblée que c'est bon. Ce n'est pas du tout fait pour leurs besoins. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que... Alors, je suis d'accord avec toi que map fichier n'est pas adapté à tous les usages. Ah, oui. Mais d'un côté, j'aurais tendance à dire que la pluralité les viewers qu'on a dans l'écosystème Jarpestra est quand même est un super point fort. Et... Mais bon, d'un autre côté, je comprendrais aussi que certains utilisateurs voudraient une espèce de viewer universel qu'on pourrait configurer un peu pour tous les usages. Bon, un peu comme ce qui a été présenté ce matin, finalement. Qui n'existe pas, qui n'existe pas ou qui existera peut-être, j'en sais rien. Pas forcément, mais il faut être bizarre, adapté à la communication vers les gens. Ok. Côté, on en a un. On en a plusieurs, non ? On ne peut pas se rattraper. Sinon, c'est parce qu'à exprimer le directeur du CREG, un point d'entrée, c'est que ce n'est pas bon. Un point d'entrée grand public. Ah, le c'est côté beau. Le côté beau. Ah, il y a aussi ça qui entre en jeu, peut-être, effectivement. Ok. C'est pas... Bon et simple. Bon et simple, surtout utilisé, c'est-à-dire quelque chose, pas besoin de connaissance de journalistes du tout. C'est la même chose. C'est un truc. C'est la même chose pour Jeunesse Work et pour le catalogue. Il y a un outil très spécialisé aussi. Dans notre proche numéro 1 qu'on nous fait, on ne trouve pas les données. Bon, je passe à la page suivante. Tu disais, Sébastien. Geo Network est un outil très spécialisé, inspire données géo. Et bon, je vais encore rebondir sur. Donc tu dis pas assez simple pour le grand public, pas assez. C'est ça pas assez simple pour accéder à la donnée, ça rejoint la même remarque. Je sais pas si c'est parce que c'est pas bon ou pas simple. Je sais pas si on ne trouve pas les données. Oui, c'est pas ma parole, je transcris la parole des utilisateurs. On ne trouve pas la donnée et c'est pas simple d'accéder.
Après, nous, on est sur Genève, sur demain. Alors, bon, ça n'aide pas, mais enfin, d'un autre côté, fonctionnellement, ça n'a pas énormément évolué, mais c'est juste c'est une question d'ergonomie, quoi, là, entre les deux, surtout. Mais... Il y a une question d'ergonomie, et après, il y a une question de complexité de champ, renseigner, etc. Donc, il y a peut-être un catalogue tampon, ou une recherche tampon engagée. Okay. Voilà. Pour les points positifs, c'est pas quelque chose qui est spécifique à Jean-Claude quand il passe les années. Non. Non, non, effectivement. Et puis, enfin, si on prend l'exemple, par exemple, on l'a pas cité d'ailleurs, mais pour info, pour la pépige, hein, c'est le catalogue, c'est Isogeo qui a été utilisé, qui a été branché dans Jorchestra. Et ensuite, c'est pas parce que c'est ISO. Enfin, avec ISOGEO, j'ai pas l'impression qu'on trouve les données plus facilement non plus. Hein. Enfin, je veux dire, ça n'a pas l'air d'être spécifique à telle ou telle solution. Enfin, ça reste encore négatif parce que c'est quand même une infrastructure de données spatiales. Mais peut-être que si on compare avec une solution peut-être spécifique Open Data ou je sais pas, ou un autre type de catalogue sur un autre type de données, peut-être que... sur la plateforme Open Data Soft, dès que tu dépasses les 200 jeux de données, pas plus facilement. Non mais je pensais pas Open Data Soft forcément. Hein. Data.fr ou CK, ça veut dire qu'il y a un créneau fabuleux, c'est proposer un produit ici. Un créneau de démarcation de la solution fabuleux ici, c'est les données. Qu'on trouve la donnée, tout simplement. C'est marqué trois fois là-bas. C'est marqué trois fois. J'ai l'impression qu'on tourne autour depuis deux géocom. Mais François, vous avez peut-être peut-être proposer des solutions. Non, mais c'est peut-être la killer app, quoi. Enfin, je veux dire. Non, c'est sûr que si on trouve un truc qui permet de tout de suite d'amener en fonction du profil, pas sur le profil des utilisateurs. Tu es urbaniste, donc je vais enlever certaines, enfin je vais dégrader certains, voilà, et des idées comme ça. Sur l'outil. Une question de savoir si c'est un problème ou pas, parce qu'aujourd'hui notre démarche pour amener l'utilisateur à la donnée, c'est de lui prendre un visualiseur dans nos tâches pour lui dire c'est là que tu vas, tu n'auras pas besoin de trouver la donnée. Donc, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est une fonction de géomaticien de chercher une donnée, de l'essayer et de passer à la suivante, ou est-ce que c'est une fonction de l'utilisateur? C'est une décision. Je suis tout à fait d'accord avec Fabrice, c'est-à-dire que moi je suis pour en fait. Le guidage de l'utilisateur par rapport à la limite. En tout cas, en fonction de son métier, on va dire, regardez ces trois applis-là, et il y a peut-être les données qu'il vous faut dedans. Plutôt que de lui mettre un moteur de recherche, en fait, il y a plusieurs manières d'arriver à la donnée, il y a par les applications, par la recherche, on pourrait imaginer aussi par des approches type réseaux sociaux, des approches par... ce que font Amazon et d'autres, une analyse statistique de la navigation des utilisateurs, de leur centre d'intérêt. Par exemple, Amazon détecte que j'ai les mêmes affinités que quelqu'un d'autre, quand je vais regarder tel produit, il va me proposer le même type de produit qui ont été regardés par lui. Finalement, les aspects sociaux qui sont pas pris en compte. Sociaux, comportementaux, ça pourrait être. Mais bon, on est dans prospective. Il y a de ça. Pourquoi on ne la trouve pas? Parce que tu vas taper parcelle. Tu vas taper parcelle, tu vas avoir 12 000 machins qui ont lié à parcelle, mais le système ne va pas prioriser la couche qui parle que de parcelle. Manque d'intelligence, finalement. Tu veux cocher le deuxième truc qu'il y a. Donc, c'est encore une histoire de se placer à la place de l'utilisateur. Quand tu tapes parcelle, il faut que ça retourne la couche des parcelles. Parce que le mot parcelle sera mis dans toutes les métadonnées de tout ce qui s'appuie sur les parcelles. De toute façon, ça pose un problème. Et c'est vrai qu'on a un problème sur ce truc-là. On tape un mot-clé, donc tu as eau, rivière, parcelle, voilà les trucs qu'on tape en premier. Ce qui est excellent, c'est de regarder dans un autre panne. D'aller regarder dans les stats de moteur de recherche, ce que les gens recherchent. Et là, je peux te faire les listes, ça va plus fort. Le micro. Ils cherchent sexe, argent. En Bretagne, non.
D'habitude, c'est débit de boisson, vous allez dire. Mais... ah, pardon. Ouais, moi, je pensais à la Picardie. La couche existe, mais elle n'est pas encore bien pliée. Non, c'est Van, Cadas, Argis, Moulin Pivot, Auré, Erki, avec un I. Normalement, c'est avec un Y. H1060. Donc, ça, c'est quelqu'un qui recherche une parcelle cadastrale. Morlaix, Sable d'Or, Les Pins, Saint-Jean-Brevelay, donc c'est des communes. Sirène, Code RPG, Espace Naturel, WMS, TMS, Maéolien, Écluse, Trafic, Comble-Sac. C'est intéressant. Vous avez parlé avec des proxy qui analysent les objets, tout ça. Est-ce que vous avez essayé de faire une recherche avec Google, en fait? Je peux parler d'un. Je voulais parler d'une approche utilisée par ISDI, en fait. Effectivement, toutes les ressources en fait sont traitées comme des ressources du CMS. Et chacune de ces ressources, du coup, est indexable par Google. Donc, grosso modo, ils peuvent rechercher leurs ressources dans Google. Elles sont indexées par s'ils ont autorisé l'indexation par les moteurs de recherche. Je ne sais pas, je n'ai pas fait le cas. Mais en fait, c'est un des points que m'avait expliqué Thomas Portier sur une des spécificités en fait, de ISDI. Alors que quand on est dans GeoNetwork, les ressources qui sont dans GeoNetwork, les fiches métadonnées, ne sont pas indexées par un moteur de recherche externe. Je sais pas. Si, ça a été fait pour Pinot. Et donc, je sais pas si on. Oui, c'est-à-dire que enfin, ça fonctionne comment ça? Est-ce que ça fonctionne? Enfin, est-ce que. Les gens ne cherchent pas des données spécifiquement. Enfin, oui, ça fonctionne. Hein. Mais la principale problématique, c'est plutôt quand on arrive sur la plateforme, comment on accède à la zone. On va sur Google, on va Pigma. Sur Google, on tape Pigma, on accède à Pigma. Et après, à partir de Pigma, on accède à la zone. Je pense que ça se passe dans ce sens. Aujourd'hui, ça se passe dans ce sens parce que c'est la. Je sais pas, c'est culturel en fait. Pour si on a eu Bordeaux dans les résultats retournés par Google, on va trouver la métadonnée qui permet d'accéder à la zone. C'est exactement les recherches qu'avait Attention, enfin, tout ça à bémol, c'est que enfin, nous, on a besoin d'avoir l'outil sur l'IDG, pas d'avoir un service externe comme Google qui est indexé. Oui, mais. Ah, voilà, je dis juste que. Parce qu'on est une plateforme fermée. Ah oui, d'accord, ok. Et juste pour info, pour l'Ifremer, on avait fait un travail sur les métadonnées, de faire des versions HTML indexées par les mots. Non, c'était ici. Ça marche. Il n'y a pas un truc comme ça au niveau de SIGA aussi? Non, ça marche, ça veut dire les gens trouvent les deux. Plus Belle Bordeaux, tu es complètement trusté par toutes les infos de Bordeaux Métropole. Belle Vue de boutique. Et Lyon. Bon, sinon, on peut passer à autre chose. Hein. Enfin, on a identifié un point faible, après, il y a des pistes. Tu montres. Juste un petit composant logiciel qu'on commence à déployer en ce moment avec le. Un petit composant logiciel qui s'appelle LDProxy, qu'on commence à déployer en standard avec nos instances chez Orchestra. On le met derrière le proxy de sécurité. C'est un composant qui a été présenté au FOSS 4G l'an dernier, qui s'appelle LDProxy, donc Linked Data Proxy. Donc là, il y a une partie manager qu'on ne voit pas ici. Là, il y a une partie grand public. Et on peut, quand on est connecté, donc administrateur, renseigner des URL de services WFS. Là, j'ai renseigné sur georena.eu, une des dernières plateformes GeoOrchestra qu'on a montées, le géoserveur local. Et donc, l'outil fait un get capability sur l'ensemble des couches WFS, les identifie, les affiche là. Donc là, c'est une page HTML qui est complètement indexable par Google. Et puis après, on peut se balader dans, qu'est-ce qui peut être intéressant, les éoliennes, la couche des éoliennes. Et puis, il va, donc ce LDProxy, il va parcourir l'ensemble des objets de la couche,
Donc sur la page couche, il va représenter l'ensemble des objets. Puis après, pour chacun des objets, il va créer une page web avec l'objet dans sa carte et puis l'ensemble des attributs de l'objet. Tout ça, c'est indexable. Donc ça peut aider, via l'indexation Google, à avoir un accès grand public directement à la donnée. Et là, on a un permalien vers l'objet vectoriel. Donc ça, je trouve ça intéressant. Du coup, vous avez testé de le faire indexer ou quoi ? C'est encore réservé à... J'ai pas été aussi... Mais oui, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner. Là, tu veux indexer quoi, en fait ? Ça tu veux indexer quoi, les pages là, ou les ressources les... Et ben, que quand tu fasses une recherche dans Google éolienne par une école de même, ça remonte en premier. Ouais. Ou quand d'accord, faire indexer par un okay, par Google. Ok. D'autres parce qu'on était dans liste des points faibles, là on a une touche pas donnée, pas simple d'accès, voilà. C'est une chose. Ouais. C'est les migrations complexes peut-être de version 60 là. Ça va être compliqué à migrer, mais je pense que c'est un point faible. Là, on rentre dans le cœur. Hein. Ah, oui, non, mais c'est... Bah, qui a déjà fait une migration sans qu'il n'y ait aucun seul problème ? Ouais, voilà, un pigeon. Bon, moi, j'y suis presque arrivé. Du scotch. Prendre un jeu serveur de base qu'on a essayé de fabriquer. C'est peut-être passé qu'on est. Autre chose ? Chez vous, hein. Les stats, les métriques, on en a parlé hier. Ouais. Ah, je sais pas, tu peux développer ça. Stats et métriques. Enfin, ce qui ressort d'Analytics, en gros, quoi, pour simplifier, ça. Oui. Ouais. Enfin, c'est pas les métriques système, c'est les métriques, enfin, l'usage de la plateforme. Oui, c'est ça. Enfin, ouais. Qu'est-ce qui va pas là, actuellement, ça marche pas. C'est pas... Non, ça marche pas. C'est trop lent. C'est pas satisfaisant. C'est-à-dire que c'est pas satisfaisant parce que j'en attends. Ok, c'est une question, on va dire, de pertinence de l'information qui est remontée. C'est une question de performance. Ah, c'est tout, là. Les deux. Ouais, mais j'ai pas dit ça au hasard. Hein. À l'heure actuelle, c'est trop lent. Quand on utilise la console d'administration pour afficher les stats, ça s'en met. Bah, je vais en bas. Je vais en bas. Maintenant, je vais en bas. Il y a ça, et puis il y a le. Je sais pas, c'est beaucoup. Hein. Tu voulais toucher le bouquet sur les. Pas que les stats sur les services OGC. Ouais, voilà. Il me manque la date de dernière connexion à la plateforme. Ça, c'est un truc qui n'est pas, on en avait discuté, c'est une évolution à faire. C'est quelque chose qui est dans le casse, ce n'est pas... Là, on descend presque dans la cycle d'évolution. Oui. Si on commence à rentrer là-dedans, je pense qu'on va en avoir comme ça. Moi, je suis peut-être en sortir une liste de 150. Oui. Alors, c'est intéressant, mais effectivement... J'en ai une, alors, je sais pas comment on peut la qualifier, mais voilà. C'est un peu la solitude de l'administrateur de données face à la plateforme quand il y a un truc qui ne fonctionne pas. On va voir comment on peut le reformuler. Mais il y a un truc qui ne marche pas. Et ils vont chercher dans 15 endroits pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, une procédure de diagnostic. Et donc ils râlent presque tous les jours parce qu'il faut qu'ils aillent sur le log machin, le truc-ci. Bon. Il y avait des réponses qui étaient annoncées, mais pour l'instant, c'est pressenti comme un point. Loïc, tu confirmes ou pas ? Tu confirmes. C'est des administrateurs de plateforme qui arrivent à avoir de la lisibilité sur ce qui se passe. À ils n'ont pas d'outils. Aujourd'hui, dans la solution qu'il y a, il n'y a pas d'outils pour les administrateurs. Pas d'outils de diagnostic, en fait. De diagnostic, de qualité, d'audit temps réel, etc. En fait, ils ont du coup aller vers ce que. Oui, tout à fait. Manuel, on. Oui, mais aujourd'hui. C'est une partie de la réponse, c'est les outils plutôt de enfin, les métriques, les logs en front, ça, mais c'est pas suffisant. Quoi. Des layers qui sont pas avec la. Là, je suis des 47% en tête parce que qui tient un faux score parce qu'il y a plein de services qui sont des services référentiels pour du fond plan qui apparaissent et qui ne devraient pas être découpés parce qu'ils utilisent un compte qui ne veut
voit tout. Donc j'ai traduit ça en lisibilité de l'état de la plateforme. Oui, mais qualité aussi, ça. Qualité. Et là, j'entends temps de répondre, des choses comme ça. Donc, quelle est l'erreur dans les métadonnées pourcentage correct, pourcentage. Ça, c'est. La maîtrise. C'est pas intrinsèque à la solution. Information. C'est intrinsèque à la solution. Ah oui, pas de lisibilité sur l'état de la plateforme et des données. Ouais. D'accord. Oui, si, on peut considérer que c'est un point faible de la solution. Parce qu'en cas, on ne sait pas pourquoi, mais il y a une couche qui se retrouve, une métadonnée qui se retrouve dépubliée pour X raisons. Donc l'utilisateur final, qui est pourtant une couche super importante, il ne la voit, plus. Donc là, tu as trois coups de téléphone. Parce que, voilà. Les couches dépubliées, ça les publiées, c'est compliqué à voir. Ouais. À trouver. Ouais. Mais c'est propre à jeune étoile. Donc ça pourrait faire l'objet d'une métrique. Mais, de fiches. Donc ça, c'est la métadonnée, mais tu as aussi la donnée, tu sais pas pourquoi, le géoserveur, il a redémarré, et il a rechargé, et puis celle-là, il a pas voulu la... C'est pas forcément une stat, ça peut être un filtre. Voilà. Enfin, la liste de toutes les données qui sont pas publiées. Le truc, c'est qu'on sait même pas qu'elle a été publiée. Sauf si tu es habitué à avoir 56 couches sur ton indicateur et que le lendemain, on a 55. Le fait est qu'entre, comme tu disais, en dessous de 250 et au-dessus de 250, on n'a pas la même plateforme. C'est 250, ça. On connaît quasiment chaque donnée. Au-dessus de 250, on ne les connaît plus et il faut autre chose. Ouais. Mais, enfin, je ne sais plus comment c'est dans le jeu de 32, mais dans le jeu de 33, quand ils ont voulu contribuer avec les facettes, tu arrives assez rapidement à retrouver celles qui sont embrouillon, pas embrouillon, validées, pas validées. Ah oui, oui, t'as raison. C'est ouais, le c'est... 3, oui. Il y a le petit cadenas, mais c'est. Oui, voilà, ouais, mais t'es pas tout seul sur le catalogue. C'est compliqué, c'est pas si simple que ça. Tu veux une dame de l'ensemble ? Allez, il faut qu'on avance, il reste maximum 15 heures pour terminer. Ça résout pas, puisque c'est mieux. En partie. C'est mieux. Bah oui, c'est mieux. J'ai pas dit que c'était. On s'en livre ma mère. Ajouter la possibilité de faire des tableaux de bord, par catalogue, par groupe, par état de validation, qui est validé, pas validé. Et c'est le même besoin, c'est être capable, chaque administrateur d'un groupe dans ses stands, d'être capable de savoir qu'est-ce qui a été publié, sur quoi il faut travailler, pour aller, qu'est-ce qui doit être amélioré. Ça, c'est des choses en cours, on ne sera pas tout de suite, ce sera sans doute septembre, octobre. C'est des sujets qui ne se préoccupent pas. Ok. Partie suivante, c'était l'évolution en fait du contexte de jeu orchestral. Premier point, l'évolution des données usagées. Je pense que il y a un truc open data qui a été cité tout à l'heure. Je sais pas s'il y a des gros trucs un peu comme ça. Pas des données qui sont pas forcément géolocalisées. Hein. C'est plutôt ça en fait le point soulevé par Sébastien. Quoi. C'est des données qui sont voilà, géolocalisables, mais pas géolocalisées. Oui. 3D. Mais 3D. 3D. Mobilité. Bah, mobile, oui. Donc, mobilité, ça recouvre saisie, consultation. Oui. Et processing. Est-ce que je suis dans. On a une couche de référence, je ne sais pas, espace vert, et puis le mec il va mettre un point, et puis ça valide que c'est déjà bien dans les espaces verts, et ça correspond au processing géographique à la saisie. Validation, ouais. Contribution. Contribution. Signalement. Contribution. Faire contribution, c'est un travail collaboratif ou non ? Non, remonté citoyen, associatif. Ouais. Ok. Donc, crowdsourcing. Mais citoyen, parce que c'est. Non, c'est pas comique. Non, c'est pas. Non, mais sinon, c'est un peu comique. Un peu comique ou... Mm-hmm. Faut pas de data, là. François ne veut pas le mettre. Non, en fait, je pense que c'est pas tellement open. Enfin, il y a un sujet open data, mais je pense que c'est plus large. C'est ces données qui sont pas géolocalisées. Quand tu dis open data, c'est non géo. C'est non géo.
non géo. Enfin, si, ce sont des données géo, mais pas géolocalisables. C'est un peu comme la géolocalisation on the fly, PDF, pour afficher sur la carte. Géocodage. Ouais, c'est sympa. Géocodage on the fly, open data, quoi. C'est troisième colonne, c'est des X et Y, et puis. Pourquoi pas, mais bon, il faut savoir que tous les géocodages produisent un pourcentage très élevé d'erreurs. Non, non, mais pas que du géocodage. Il y a des tas de données qui reviennent d'une manière ou d'une autre avec du XY fournit par DPE et nos chargés de mission, ils ont ça. Et en fait, pour pouvoir le voir, bah, là, pour le moment, on ne répond pas à leurs besoins. Donc, il faudrait qu'ils puissent charger le truc. Bah, c'est pas forcément des XY, c'est des codes INSEE. Et c'est ça. Ça peut être du XY, ça peut être du code INSEE, ça peut être la référence à un équipement, ça peut être... voilà. Ça faisait longtemps qu'on avait parlé de TGI. Non, c'est plutôt par rapport à la solution Open Data là, qui fait ça. Comment ça s'appelle? C'est CAN? Non. C'est quoi la solution? La solution SAS. Open Data Soft. Open Data Soft. Open Data Soft, oui. C'est je vais rentrer un CSV avec des XY ou des INSEE et j'obtiens ma carte avec les. Oui, c'est pas une plateforme géographique. C'est là que vont aller les données. Il faut savoir qu'il y a énormément de données donc, au niveau des collectivités, tout type de collectivités, qui sont produites sur ce modèle-là. Hein. C'est-à-dire que code INSEE, nom de ville, XY, voilà, sous forme de fichiers CSV. Et ces données-là ne sont pas aujourd'hui, enfin, à moins qu'on les référence dans le géocatalogue, qu'on les mette en téléchargement, en tout cas, on ne peut pas les prévisualiser, on ne peut pas en faire grand-chose sur la plateforme, sur une plateforme géorchestra. Moi, j'aurais envie d'embêter Agathe là-bas. Parce que elle a, enfin tous les deux, ils ont creusé le besoin parce qu'il y avait des demandes qui n'étaient pas satisfaites. Ils sont allés assez loin justement dans ces demandes-là pour faire le produit sur mesure. Donc, qu'est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots ce que les gens attendaient? La réponse, ça peut être non. Hein. Du coup, c'est assez simple puisque dans notre service, on travaille avec quelqu'un qui est chargé de l'observateur. Et jusqu'ici, ben, ça n'avance pas beaucoup parce que je n'ai encore besoin. Dans cette phase d'analyse des besoins. Et en fait, avec le MViewer, on a vu une opportunité de valoriser des données statistiques pour le coup, qui étaient spécifiques. Au territoire. Et en fait, elle était tout simple. C'est des données qui sont quand même très simples, juste avec un code INSEE. Et on les a valorisées en carto, mais aussi avec des data vises. C'est des choses qui sont vraiment basiques, mais qui n'étaient pas disponibles jusqu'ici dans une application. C'est ça, à peu près. Alors, après, on répond pas à toi. Juste pour préciser avec mon expérience personnelle dans ma région favorite, effectivement, enfin, Géorchestra ne répondait pas en fait du tout aux besoins des chargés de mission qui traitaient des questions d'aménagement, c'est-à-dire mais pas d'aménagement ponctuel, une rue, un carrefour, un machin, hein, mais savoir où, quelles sont les disparités, on va dire socio-économiques sur l'ensemble du territoire, sur le genre de choses. Toutes les données qu'on trouvait dans Géopicardie, qui était fourni par les partenaires, la façon de donner géolocalisées, en général, des données topographiques, donc ils n'avaient que faire. Ce qu'il leur fallait, c'est des données statistiques agrégées à la commune, au quartier, ou je ne sais pas quoi, mais des données agrégées qu'ils avaient la plupart du temps et qu'ils n'étaient incapables d'intégrer dans la plateforme ou dans un autre ICG, d'ailleurs, qu'on pouvait leur fournir. En tout cas, ils n'étaient pas autonomes avec les données qu'on leur proposait, ni avec les données qu'ils consolidaient, quoi. Enfin, en tout cas, d'un point de vue cartographique. Je ne sais pas comment ça se met. Database, c'est ça? Database on the fly. J'ai mis juste sur le Twitter, avec le hashtag Geocom, la procédure de GeoAdmin pour quelqu'un qui veut faire du DataWiz avec le back-end. En gros, il y a une procédure. Ils ont fait le TikTok, 5 slides, où ils montrent comment tu crées une Google Fusion Table, tu mets ton CSV dedans, tu uploads un fichier shape ou quelque chose comme ça, tu as la procédure pour merger les deux contenus sur la clé, et puis tu exportes en KML.
Et t'as perdu tout le monde. Enfin, dans mon aspect d'administration, t'as perdu tout le monde, à part un furieux. Dans l'administration, t'as perdu tout le monde, mais dans le DataWiz, dans les jeunes qui maintenant maîtrisent un petit peu les outils, puis qui s'intéressent à l'open data, à mon avis, ces procédures, ils arrivent à la faire. Mais oui, mais ça va être, franchement, enfin, chez mes anciens collègues, ben, t'aurais pu convaincre une personne ou deux maximum sur une centaine de, ou plusieurs centaines d'agents. Est-ce quoi. Que ça marche sur Excel? Ben, oui, enfin, il faut, enfin, vraiment, ça c'est une procédure qui pourrait être appliquée en fait par un administrateur d'une plateforme et justement après le résultat il le met à disposition des agents. C'est déjà trop compliqué pour les utilisateurs que moi j'avais. Juste avant la pause, on avait écrit données de capteurs. Pendant la pause est apparu un nouveau sujet, télépathie. Alors, je ne sais pas s'il faut mettre télépathie, empathie. Télékinésie. D'autres. Oui, il y a un autre besoin qu'on a qui est l'intégration d'iframe dans votre application. Donc c'est un petit peu ce qu'a présenté Emmanuel. D'accord. Ouais. Okay. C'est un besoin qu'on a, ça. Un peu de stylo. Et là, il y en a un. Alors, c'est uniquement des applicatos. Oui, l'intégration d'un composant cartographique dans des applications qui ne sont pas cartographiques. Ok. Avec un dialogue entre différents, par exemple, une carte centrée sur une donnée identifiée dans l'application Atlante. Intégration active. Mais c'est appli. Appli des si, c'est des applis complètement. Appli carto. Voilà. Non. Non. C'est pas des applis carto, c'est des applis non cartographiques dans lesquelles on va intégrer un composant, une localisation sur une carte. Ok. Grosse big data. Grosse. Un exemple concret de ce que c'est. Est-ce qu'on peut faire avec une orthophotographie 1 cm, ça continue à fonctionner ou est-ce que ça marche? Est-ce que c'est un besoin des usagers? C'est plus de l'administrateur. Ouais, ce sera un besoin à terme des CRS, je pense. Ouais. Bah, ça peut être du reste. En Auvergne, en tout cas, enfin. Bah, Landry vient de partir. Ouais. Je ne sais pas si ça a changé, mais aux dernières nouvelles, en Auvergne, le PCRS, était, enfin, ce qu'il souhaitait mettre en place, c'est un raster. Mais même d'un point de vue utilisateur, aujourd'hui, quand on nous dit qu'on voudrait l'orthophotographie, ben, c'est des ROM, etc. Comme ça. Il n'y a pas forcément de solution. Mais... Ah, donc, du coup, est-ce qu'un utilisateur peut récupérer une grosse donnée quoi, ça. Ok, c'est pas juste l'exploiter en ligne. Oui. Ok. On n'a plus de place. Donc, si vous avez plus d'idées, ça tombe bien. Donc, l'évolution du contexte réglementaire. Donc, je ne sais pas s'il y a grand chose à dire. En fait, moi, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est la loi pour une république numérique, la loi Le Maire. Hein. Et qui donc a un volet sur l'open data pour les administrations publiques. Après, il y a le droit à l'oubli, je ne pense pas que ça concerne. Si ça concerne forcément les comptes des utilisateurs sur la plateforme. Enfin, on va mettre ça sous silence. Si on suit les IP. Ouais, effectivement. Alors en ce moment, on est en train de travailler avec Camp2Camp sur la migration de Géopicardie en Jarquistra 16-12. Et donc, on avait simplement au départ une petite demande, hein, c'était de. Je l'avais formulé comme ça dans le cahier des charges, c'était afficher un message sur. Un message réglementaire sur l'utilisation des cookies sur le site web. Donc il s'avère que c'est pas aussi simple que ça en fait parce que la notion de cookie c'est pas uniquement une cookie hein, c'est tout ce qui peut permettre en fait un suivi des utilisateurs, tout ce qui permet
donc, dont les cookies, et qu'il y a deux catégories en fait de systèmes de tracking. Il y a ceux qui nécessitent le consentement de l'utilisateur et ceux qui ne nécessitent pas. On est identifié aujourd'hui, enfin, il va falloir que tu m'aides un peu, François, hein, même si tu baisses la tête, tu la tournes. Il y avait deux choses, en fait, au niveau de la plateforme qui posaient problème de ce point de vue-là. Il y avait Piwik, déjà. Bon, je pense que c'est pareil pour Google Analytics, hein, pour ceux qui utilisent Google Analytics. Et puis ensuite, un autre truc qui est au niveau du ProxyCas. Si on a lu, on a décortiqué avec l'aide de notre prestataire CMS les conditions réglementaires de quand est-ce que de la CNIL, c'est ça, c'est la CNIL. Hein, oui. Quand est-ce qu'on doit afficher le message pour accéder à ce site, vous acceptez l'usage des cookies et d'être suivi, etc. Ok, ou personnalisé, tu peux choisir sur en quoi tu es suivi ou pas. Eh ben, on s'est rendu compte que OGC Server Statistics, le truc qui enregistrait les... Donc le cookie de session qui est posé par le Security Proxy, qui permet ensuite de dire tel utilisateur a consommé telle couche, finalement, c'est intrusif pour la vie privée de l'utilisateur. Et donc, ça pourrait rentrer dans le cadre de l'obligation d'avoir ce petit bandeau. Alors, c'est pas juste avoir un petit bandeau d'avertissement. Donc ça impliquerait qu'on puisse offrir la possibilité à l'utilisateur de désactiver cette fonctionnalité dans le cas où c'est lui qui utilise la plateforme. Donc dans le cadre de Piwik, la communauté Piwik a prévu déjà un truc qu'on peut mettre en iframe sur le site et qui permet à chaque utilisateur d'activer et désactiver cette fonctionnalité-là. Au niveau de Jorkestra, enfin de cette fonctionnalité-là du proxy qui alimente Analytics, aujourd'hui il n'y a pas cette fonctionnalité-là. Bon, je pense qu'on va faire vite là pour la migration Géopicardie en 16-12. Hein, on va faire comme si on n'avait rien vu. Mais je pense qu'il faudra un jour qu'on peut-être mette les choses peut-être au propre. Je sais pas, c'est un sentiment à débattre. Oui, il faut garder en mémoire le fait que l'année prochaine, l'adoption du nouvel règlement européen sur la protection des données personnelles entrera en vigueur le 24 mai. Que les conditions imposées à tous les États membres sont renforcées. Alors, je ne vais pas les citer toutes, mais dans nos idées, on peut avoir des données nominatives qui sont celles des utilisateurs, mais qui sont également dans les données elles-mêmes. Et que concernant ces données, on va avoir des obligations qui peuvent mener jusqu'à une étude d'impact sur la protection des données, si ce sont des données réputées sensibles, ou des entreprises, ou des choses comme ça. Et ce que je voyais aussi, c'est qu'il y a une obligation de reverser les données aux utilisateurs s'ils le demandent, sous une forme informatiquement réutilisable. Donc ça, c'est des fonctionnalités supplémentaires qu'imposera le règlement européen à partir de l'année prochaine. Enfin, des fonctionnalités supplémentaires, sauf si l'administrateur décide d'anonymiser en quelque sorte les données systématiquement. Voilà. L'autre façon de faire aussi, c'est de, parce que c'est un contrat que tu passes avec l'utilisateur. S'il ne veut pas être pisté, bah, il n'utilise pas le site. Il sort. On explique que nous, on a, pour les besoins de bonne gestion de la plateforme, on a besoin de ça. Tu acceptes, tu n'acceptes pas, tu passes le chemin. Je pense que ce n'est pas admissible en fait, pour un certain nombre de cas. En particulier dans le cadre justement de l'obligation d'accès public à des données open data. Donc ça, ce serait un frein à l'accès à la donnée open data et ce serait inadmissible. Et surtout, si tu lis les textes de la CNIL, ils disent le refus d'accepter les cookies ou le tracker ne doit pas t'empêcher d'accéder au contenu. Ah, je ne sais pas ça. Ouais. D'accord. Juste pour info, nous, sur notre portail qui est une plateforme fermée, sur la page d'accueil, il y a un texte qui explique qu'on log pour des besoins de bonne gestion et tout, parce qu'on est dans un contexte professionnel et que ce n'est pas des citoyens, c'est des professionnels, c'est différent. Voilà. Ouais, mais ça a l'air raisonnable. Non, mais il y a plein de gens qui font l'amalgame, ils pensent que c'est pour tout, dès que c'est du web. Et en fait, non, c'est pour du... J'en sais rien, mais en tout cas, voilà. Si, je te le dis. Ok.
un serveur messagerie va quand même bien le dire que telle personne écrit à telle personne. Telle personne est écrit à telle autre. Oui. Oui. Voilà, ça c'est logique. Ça fait partie de ce qu'on a le droit de dire. Oui, oui, mais en fait, il y a différents types effectivement de tracking. Il y en a qui nécessitent le consentement de l'utilisateur, il y en a d'autres qui ne le nécessitent pas. Et la CNIL fait la différence. Et dans ce qu'on a présenté là avec François, c'est des choses qui nécessitaient visiblement le consentement de l'utilisateur, le consentement implicite. Et donc, la possibilité de désactiver la fonction. Après, ni François ni moi, nous sommes des spécialistes de la question. Oui, ça a l'air clair. Mais après, en termes de loi, des fois, on a l'impression que c'est clair. Non, j'ai la bonne lecture, j'ai la même. C'est pas de traces dans, le, dans les logs. Et quoi. Donc, bon, enfin, moi, les deux trucs auxquels je pensais, c'était ça. En fait, l'aspect open data lié à la loi Lemaire et les aspects tracking là, de la CNIL. Sébastien, il y a autre chose avec la... C'est les données harmonisées en règle générale. Oui, sauf que vu vu le retard, d'avoir des recours par les associations, les États vont dire que ça marche. Mais est-ce que parmi vous, il y a, enfin, je sais pas, on a enregistré ? Enfin, il y en a qui. Je vais couper en cours. Non, mais il y en a qui publient en fait des données avec les modèles harmonisés. Là. Ouais. Et lesquels ? Parcelles. Ok. En angle fond. Bon. C'est malade. Et c'est un exceptionnel. Ok, c'est une exception, quoi, en fait. Bon, ok. No comment. Bon, en tout cas, félicitations. Hein. Enfin, bel effort. Les registres de quoi en fait ? Registre de code liste, donc c'est inspiré. Oui. T'es où ? Oui. Ça sert à quoi ce truc-là ? En fait, c'est une harmonisation grosso modo des thésaurus. Je vais faire très très méta. D'accord. C'est de la machinerie et c'est censé faire fonctionner tout droit. Ouais, et ça veut dire que ça peut imposer des thésaurus dans des données où, par exemple, dans des corps de métier, on avait l'habitude d'utiliser son propre thésaurus, mais au niveau européen, il y aura des thésaurus qui sont arrêtés s'ils ne collent pas, parce que tu t'adaptes. Ah d'accord, c'est pas la modélisation de thésaurus, c'est vraiment le contenu, il y aura des thésaurus qui seront... Ouais, okay. Donc ça peut aller... Ouais, on est toujours dans la logique du partage et de la mise en interopérabilité. Donc, c'est ça. Autre information que vous n'avez peut-être pas eue, fin d'année dernière, début de cette année, le guide européen de rédaction des métadonnées ISO 2009 a évolué. Ça a un impact, il y a des divergences avec ce qu'on a fait au niveau national, en particulier sur les contraintes légales. Donc, Marc Léobet propose une réunion du groupe règles de mise en œuvre, enfin la commission règles de mise en œuvre du CNIJ fin 2017. Voilà. Donc il y aura sûrement une mise à jour en 2018 du guide de rédaction des fiches de métadonnées. Bon, cela dit, ça n'aura probablement aucun impact sur Georgestra, mais sait-on jamais. Si la moulinette change tout. Bon. Alors j'en ai le maintenant. On n'a vraiment rien d'autre. Au niveau réglementaire, ouais. Je pense que c'est des trucs principaux, quoi. Dans le métier, il y a la BTDICT. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ça évolue encore. Mais si on attaque les métiers, nous. Non, ça, c'est. C'est vrai que Maëlle a raison. Si on va dans le métier, on va trouver des trucs dans tout, en urbanisme, en. Ah, alors.
Ah, je sais pas, il y a pour le GPU par contre, hein, la DD. Et il y a des nouveaux de ce côté-là ? Moi je publie des données pour le GPU harmonisées, si vous allez par là. Ouais, c'est là, je le fais. Mais c'est peut-être bien de le valoriser aussi, je sais pas. 2020, données PLU convalidisées remontées dans le GPU. Alors, il n'y a pas que le PLU, s'il y avait que ça, ça c'est encore. Voilà, mais il y a PSMV, SUP. Là, il y a des SUP et tout. Ouais, voilà, ok. Enfin, qui avait une idée au niveau techno, toi ? Google ReCAPTCHA. Le ReCAPTCHA qu'on utilise dans les labs admin pour interdire la création de comptes par des robots, ce truc-là. Il a évolué maintenant. Il a évolué maintenant. Mais ça demande d'être pris en compte. Ils vont déprécier la V1 à un moment, on ne sait pas quand, mais tous les gens. Et en quoi c'est une évolution techno ? C'est une évolution de la technologie. Parce que ça fait appel à un service externe ? Oui, on a une adhérence, là, c'est ce que tu veux dire. Non, c'est pas une adhérence. C'est la seule, même. Dépend. Et après ? Je sais pas, on a déjà parlé ce matin, Open Layers 3 ou 4. L'étude vectorielle, mais bon, ouais, effectivement, tous les trucs spécifiques. Bon. Ok. Donc, j'ai pas le droit de parler de TGS, hein, ça. Enfin, c'est pas une évolution technologique. C'est une régression technologique, ça. Mais à ce moment-là, il faudra m'expliquer pourquoi on peut parler des SOS, alors. Il faut parler d'un truc, les librairies qu'on utilise, qui sera Pierre. T'as évolution des technologies dans JavaPress 3. Ouais. T'as mis un plugin Maven qui sort quel libre sont obsolètes. Enfin, quel libre peuvent être mises à jour. Mais on est à la bourre sur pas mal de trucs. On a toujours une version custom de GeoTools qui date aussi. Qu'est-ce qu'on a besoin pour mettre à jour GeoTools, NoSQL aussi. Je sais pas, il y a Elasticsearch dans le même niveau. Elasticsearch, je vais nettoyer. Venir aussi, qui va. Après, je ne sais pas si ExitSearch en soi, ça rentre dans la catégorie NoSQL, mais... Non. Alors, ils en ont fait, et c'est... Ah, pardon. C'est NoSQL dessous. On est passé un peu sur GeoTools, mais bon, j'aimerais vraiment sensibiliser aux gens que là, il y a quelque chose. Vas-y, une étoile, un point d'exclamation. Il faut être conscient qu'il y a la maintenance du cœur de GeoOrchestra. C'est pas des choses visibles, mais il faut la faire. Je sais pas si on peut retrouver le ticket en question, mais là par exemple, il y a juste une faille de sécu qui a été découverte dans ce cas hyper particulier de Spring Security où il y a une certaine lib qui est utilisée et puis il faut qu'il y ait aussi un machin qui soit dans la web app. Donc il y a beaucoup de choses qui font que c'est pas forcément on n'est pas forcément atteint par les failles de sécu qui sont découvertes, mais on est quand même à la bourre sur pas mal de bibliothèques qui sont utilisées autour de la solution dans quel module tous dans GeoServer. On essaie de suivre, mais on a du retard sur les versions, c'est pareil sur GeoNetwork. À un moment, on utilisait des libres qui, quand on a développé le truc, c'était en 2009-2010. On a fixé à ce moment-là. On avait besoin de mise à jour. Les mettre à jour. Ça a été le cas récemment pour le plan de message. Je me demande, Pierre n'est pas là, mais je me demande s'il n'a pas été embêté par la version de GeoTools qui est un peu trop ancienne pour faire des trucs pour nous. Oui. Et il a dû en ramener une autre dans l'urbanisme. Non, c'était Cadastrap. Dans Photobic ou Cadastrap, il y en a une spécifique. Ouais. Non, il a utilisé la même que GeoOrchestra. Ouais, et puis il y avait une histoire où ça commence à. Nous, pour les choses métiers, ça commence à.
C'est ce que je disais en filigrane, c'est qu'on touche du doigt les limites du truc sur nos besoins. Bon voilà, du coup, on va être au courant de ça. On avait parlé d'une association, la dernière, qui était dans le roulement pour assurer les tâches de maintenance du cœur. Voilà, toujours sur la table. Et puis ça. Bon, effectivement, donc il y a plusieurs catégories quoi, d'évolution technologique. Il y en a qu'on subit parce que ce qu'on utilisait devient obsolète et dangereux pour l'application. Et puis il y a des perspectives, on va dire des perspectives d'avenir avec d'autres technologies. Voilà. Il y a des trucs qui sont sur des features. Il y aura toujours un financement pour des features pour entretenir le cœur, hein, parce que ça ne doit pas. Oui. Sauf ça se voit le jour où on va nous dire ah, mais il y a eu une intrusion là. Ah mais on vous le reprochera. Quoi qu'il arrive, ça il n'y a pas de souci. Faites-nous confiance. Dis-le plus clairement dans ce cas-là, est-ce que la question c'est on se tourne vers les gens qui opèrent du jeu orchestra en disant ben l'année prochaine prévoyez un petit ticket, une ligne sur maintenance du cœur. Okay. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable de votre côté, au niveau des plateformes? Bah, franchement, après, comment bah, c'est sous l'angle sécurité, vous en parlez à votre DSI, ils vont vous dire je vous coupe l'accès si vous ne pouvez pas jouer. C'est vrai. Ah. Enfin, c'est bien pour ça qu'on. Surtout la mais peut-être avec des. Alors, c'est l'aspect communautaire, du coup. Il faut qu'on joue tous le jeu sur ces trucs-là. Mais c'est compliqué. Ouais, il faut avoir les arguments aussi. Enfin, si on se place dans le cadre d'une consultation publique avec concurrence, enfin, on va choisir le mieux disant, et ça ne va pas apparaître. Dans une grande open data après, t'en penses quoi? Moi, j'en pense qu'il faut se blinder, mais. Bon, maintenant, avec toutes les politiques de système de sécurité informatique, etc., et c'est quand même assez chaud dans les organismes publics, je pense qu'il y a des moyens de défendre. Par contre, vous avez une idée du budget, tout le monde ? Je sais pas. Serge, qu'est-ce que t'en penses ? C'est cher. Parce que quand le problème, c'est quand on met à jour. Ah, on est des amis. Il y a non seulement des mises à jour de sécurité, mais il y a aussi potentiellement des évolutions sur la manière de l'appeler, de régression. Donc potentiellement, il y a des régressions derrière. Donc autant mettre à jour, c'est peut-être juste changer le numéro de version dans un POM, c'est rien, mais il y a des actions de régression derrière. Ça, on ne maîtrise pas. C'est lourd, quoi, si je me rends compte sur le cas. On va en parler à deux, je comprends. Oui, les gens sont encore en 15-12. Ça, c'est un sujet. Est-ce qu'il ne faut pas aussi que tout le monde aille dans les versions? Tout le monde va très vite aller aux dernières versions. Non, puis après, de ce que je comprends, je ne suis pas sûr. Grand test, oui, Pigma, oui. Si, pas dans la dernière. Mais, enfin, je pense que ouais, c'est présomptueux de penser, je pense, que tout le monde va évoluer vite. Si on se pose dans une logique de je sors un produit, soit communautaire, ou enfin, je sors un produit, il est communautaire. Les gens qui l'ont, s'ils mettent pas à jour leur version, ils assument le risque, voilà, c'est tout. Mais, que ce soit clair dans leur tête, c'est tout. Et c'est comme n'importe quel logiciel, où est-ce que tu as. Mais tu connais. Mais après, il y a une difficulté. Enfin, de ce que je comprends, de ce qu'a dit Pierre, il y a une difficulté, par exemple, avec Joto, c'est une version customisée. Oui, mais la question, c'est donc, le backlog. C'est pourquoi on en est arrivé à avoir besoin d'une version custom Ça, c'est un peu plus compliqué que juste passer une version supérieure. La version optimiste, c'est effectivement, on modifie tout la pomme et puis on fait des montées de version. La version pessimiste, c'est qu'est-ce que ça provoque. Bon. Après, dans un marché public avec mise en concurrence, ce que je disais tout à l'heure, la maintenance, c'est pas. La maintenance, quand tu arrives à la fin, au terme de ton marché, et que tu veux. De ton marché de maintenance et que tu veux faire un nouveau marché. Le truc, c'est que. T'as une mise en concurrence. Ce que j'ai vu, jusqu'à présent, de nouvelles
nouvelle plateforme qui arrivait était l'occasion d'avoir quand même des montants financiers importants mis sur la table, ce qui occasionnait des mises à jour. Non, c'est pas ça. Non, les nouvelles plateformes arrivent, ils se disent super, il y a un truc qui existe, qui déjà on va avoir juste à payer les nouvelles fonctionnalités. Uniquement les nouvelles fonctionnalités, les évolutions fonctionnelles. Et le coût des maintenances et de l'hébergement ne permet pas d'assurer ça. D'accord. Ou sinon, c'est des chiffres positifs, ils disent non, on va pas, on va prendre des solutions. Oui, enfin, ben, clairement, les, enfin, moi, les montants pour les trucs que je connais mieux, hein, ne peuvent pas prendre en charge justement ce genre de choses. Enfin, en tout cas, avec les mises en concurrence, on voit bien que les prix sont tirés par le bas, enfin, que tout le monde fait un effort. Bon, on a dérivé, je pense. Là-dessus. Sur la techno, je ne sais toujours pas comment le mettre. C'est que le fait qu'on a des technos de plus en plus complexes, oui, et que ça va faire un gap, enfin, ça va réduire le nombre de personnes qui sont en mesure de le faire. Je n'entends pas. Je dis que là, on est en train de passer à des technos de plus en plus complexes, Docker, Angular, etc. Ça réduit de plus en plus le nombre de personnes. Ou alors c'est moi qui ne comprends plus. Mais il y a quelque chose d'inquiétant. Sur Angular, pas peut-être pas. Si, OpenLayer, sur une application avec OpenLayer, on voit aussi facilement des bloggers comme ça, une application avec OpenLayer, tout est buildé. Non, je parlais juste d'Angular, pas d'OpenLayer. Ouais, ouais, mais en général, on compile les builds ensemble. Oui, non, parce que. Ouais, mais si je mets 10 ans en arrière. Faire quelque chose avec Docker, parce que justement, c'est facile. Moi, on m'a demandé récemment d'installer un géoserveur pour des étudiants. Je peux aller installer le serveur, j'ai un container, j'ai un serveur qui est prêt, et j'ai besoin de Docker, j'ai promis que le code depuis l'ancien. Oui, un autre DSI, je lui ai dit Docker, et elle vivait noir. Non, mais nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. Bah, c'est un serveur même, quoi. VMware en Docker. Non, la techno, elle est pas belle. À un moment donné, le bricolage que font actuellement les administrateurs de données, n'est plus possible parce qu'il y a trop de techno à maîtriser. Tu veux développer le bricolage des administrateurs de données ? Jusqu'à présent, enfin c'est le cas sur notre plateforme, ce sont des administrateurs de données ou de plateformes qui font leur tambouille système en dessous. Donc. Mais c'est pas bien. Non, mais c'est pas bien, mais c'est 10 ans. Je peux vous blesser. C'est juste le constat quand même des gens qui administrent, ceux que je connais, qui administrent des plateformes, genre que ça, c'est qu'ils ont tendance à se transformer malgré eux de administrateur de données à administrateur système, mais sans avoir les compétences. Autoproclamé. Et ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Enfin bon, moi je l'ai vécu. Hein. Et encore, je ne faisais pas grand-chose. Mais quand je me vois redémarrer un Tomcat sur le serveur distant, alors que je suis animateur d'une plateforme, voire administrateur de données, c'est du temps que je ne passe pas sur l'administration de données. On ne le fait plus. Hein. Oui, non, mais ce sera autre chose. Non, mais je sais pas, est-ce que Pigma pour redémarrer des Tomcat, est-ce que vous connectez en SSH au serveur pour redémarrer les services ou des... Non, avec Docker, ça a beaucoup plus cloisonné. Oui, mais c'est bien ce que je dis. On improvise là-dessus, mais on y arrive. Maintenant, c'est des boutons. Et là, on nous amène Docker. Bon, c'est peut-être super simple. Il y a un bouquin, il est comme ça. Voilà. Et puis finalement, c'est pas super simple quand on dit « Ah, c'est vraiment super simple, c'est quoi les trois lignes ?» Ben non, c'est long, c'est un apprentissage, c'est de nouveaux paradigmes. Donc c'est ce que je dis, il y a de plus en plus de... La pile est de plus en plus haute. Et à un moment donné, les modes opératoires qu'on a aujourd'hui ne conviennent pas, sachant que l'infogérance ne nous convient pas nécessairement non plus. Donc... Tout reprendre, je crois que c'est ça.